Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Au nom de l'AFSA, je vous donne la bienvenue à ce webinaire, le premier d'une série de quatre. Ces rendez-vous nous accompagneront tout au long de l'année 2022, année des 30 ans de l'AFSA. Pour ce premier rendez-vous, nous avons le plaisir d'accueillir Amélie Rocher-Capelan, chargée de recherche au CNRS, auprès du GIPSA Lab de l'Université de Grenoble-Alpes, sur le thème « La communication avec et par les personnes avec le syndrome d'Angelman, connaissances, enjeux et perspectives ». Ce webinaire est divisé en deux parties, l'exposé d'Amélie, suivi par un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le chat pendant l'exposé pour poser vos questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels pour le bon fonctionnement du webinaire. Nous sommes nombreux ce soir, veillez à garder vos micros coupés, sauf si vous êtes invité à prendre la parole. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Pour une prise de parole lors des questions-réponses, signalez-vous en levant la main virtuellement sur Zoom et attendez que l'on vous donne la parole. Ce webinaire est enregistré. Si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse dans l'enregistrement, nous vous invitons à couper votre caméra. Sans plus tarder, je passe la parole à Amélie Rocher-Capelan pour son intervention. Merci beaucoup de votre attention. Bonsoir, vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Parfaitement. Voilà, et est-ce que vous me voyez? Parce que alors moi, je ne vois à rien, donc je n'arrive pas à vous voir, je ne comprends pas pourquoi. Si on vous voit très bien. Bon, et ben on va faire comme ça, tant pis, je ne vous vois pas. Pas de problème. Vous ne voyez rien du tout? Ben, je ne vous vois pas. D'habitude, ils me laissent les participants, mais là, je n'arrive pas à vous retrouver. Est-ce que sur votre clavier, vous avez un petit écran de portable, de PC? Juste dans la première ligne, là-haut. J'ai un écran. Alors, sur le menu de Zoom, vous voulez dire? Sur votre clavier. Dans la première ligne, tout en haut près de l'écran, vous avez F1, F2, F3, F4, etc. Non, je n'ai pas ça, j'ai un MacBook Pro. Ah, d'accord. Bah, écoutez, voilà. Non, je n'ai pas ça. Ça m'agace parce que ça ne m'est jamais arrivé. Bon, je vais faire comme ça, ce n'est pas très grave. Vous cherchez quoi, Amélie? Eh bien, je cherche à vous voir parce que je ne vous vois pas. Et du coup, ça m'agace un peu parce que c'est un peu pénible de voir personne. Mais. Normalement, c'est au niveau de... Il y a un petit icône avec marqué « Affichage ». Tout en haut à droite de l'écran. À droite. Essaye de départager et repartager ton écran. Ouais, alors je recommence. Donc là, je vous vois, c'est bon. Et là, je ne vous vois plus. Bon, ben écoute, tant pis, on va faire comme ça. Hein. Essayez de double-cliquer sur votre écran. Alors, j'ai deux écrans, donc... Mais je ne comprends pas du tout pourquoi ça fait ça, parce que ça ne me l'a jamais fait, mais sinon on va faire sans, ce n'est pas grave, parce qu'on va perdre trop de temps. Mais ouais, alors je vais quand même réessayer. Alors si j'enlève le screen sharing, je vous vois. Je vais essayer de mettre la fenêtre en plus petit. Je pense que c'est dans l'option du screen sharing qu'il faut que je change peut-être, ou alors c'est lui qui a décidé... Bon, sinon, tant pis, on fait comme ça. Bon, ça s'en va, tant pis, ben, du coup, je ne vous vois pas. C'est pas grave. OK, donc j'y vais, Lara, c'est bon? C'est parfait, on y va. Voilà, donc s'il y a des soucis, que vous ne me voyez plus, que vous ne m'entendez plus, vous me faites un signe, parce que du coup, comme je suis un peu à l'aveugle, ce n'est pas évident. T'inquiète. Voilà. Donc du coup, ben, merci Lara de m'avoir proposé de faire cette présentation et puis merci à vous tous d'être là ce soir. J'ai reconnu certaines personnes et du coup, c'est agréable de savoir que vous êtes là. Du coup, ben, moi, comme le disait Lara, je suis chargée de recherche au CNRS. Donc je fais de la recherche, à la base je fais de la recherche fondamentale. L'objectif de ma recherche est de comprendre les relations entre la cognition et l'environnement via l'étude des systèmes perceptuomoteurs. Donc, je m'intéresse beaucoup à la motricité et à l'étude des signaux de la communication, puisque je m'intéresse à la base, hein, avant de m'intéresser au syndrome d'Angelman
ou plus globalement à la communication dans les handicaps avec déficience intellectuelle. Je travaille vraiment sur ces relations entre le langage et l'environnement, la construction du langage via les systèmes perceptuels moteurs. J'ai une formation interdisciplinaire à la base, donc je suis quelqu'un qui fait de la psychologie expérimentale. Puis, j'ai fait une thèse en sciences cognitives autour de la motricité de la parole. Et actuellement, la recherche que actuellement, elle est à l'intersection entre les sciences cognitives, les sciences du langage et le contrôle moteur. Voilà, et donc je suis en section qu'on appelle la section 34 au CNRS, hein, qui est une section sciences du langage psycholinguistique. Donc tout est bien cohérent. Moi, je suis aussi la grande sœur d'une plus très jeune femme maintenant, parce qu'elle a 2 ans de moins que moi, mais d'une femme avec une trisomie 21 qui s'appelle Caroline. Caroline, elle arrive à la maison quand elle avait 3 mois, donc c'est une petite sœur adoptive, et j'ai grandi avec elle. Et en fait, bon, moi, je n'ai jamais bien compris, ayant grandi toujours avec Caroline, et puis étant dans une famille qui a une conception du handicap quand même comme faisant partie de la vie, je n'ai jamais bien compris quel était le problème avec Caroline dans la société. Pourquoi les gens la regardaient de cette manière, pourquoi elle n'était pas admise à l'école, etc. Donc, c'est sûr que je me suis construite avec ça et que du coup, j'ai une conception du handicap qui fait un peu partie de la vie. Voilà. Quand j'ai été recrutée au CNRS en 2012, j'ai orienté ma recherche vers des enjeux plus appliqués sur la communication des personnes avec une déficience intellectuelle, notamment en collaboration avec Marion Doen, qui assiste aussi à cette présentation ce soir. Et puis, on participe au comité scientifique de Trisomie 21 France et on donne régulièrement des formations et des séminaires sur la communication des personnes avec une trisomie 21. Et puis, du coup, en 2017, j'ai eu une petite fille et cette petite fille, elle a très vite révélé un développement atypique. À 6 mois, c'était très clair qu'il y avait quelque chose de pas clair, justement. Donc, on a demandé des tests génétiques. On a eu le diagnostic à 8 mois, donc Jolène a le syndrome d'Angelman, elle a une version avec une délétion sur la branche maternelle, comme beaucoup de personnes avec le syndrome d'Angelman. Et du coup, ça m'a amenée à découvrir tout le monde de la déficience sévère à profonde, qui était un monde que je ne connaissais pas, en fait, hein, ou de loin, puisque nous, on s'était surtout intéressé aux déficiences modérées à légères avec la trisomie 21. Et du coup, ça m'a amené aussi à me rendre compte, encore une fois, hein, ce que j'avais déjà pu observer dans la trisomie 21, qu'on a vraiment un manque de connexion entre la recherche fondamentale et la recherche plus appliquée, et que la recherche fondamentale n'a pas trop eu de considération, on va dire, pour ce type de handicap. En tout cas, la recherche en sciences du langage dans le domaine où nous, on travaille. Ça m'a aussi amené à faire différentes rencontres, donc des rencontres associatives, hein, notamment avec l'APSA, et aussi des rencontres avec différents professionnels. Et puis actuellement, sur Grenoble, du coup, avec des chercheurs du laboratoire d'informatique de Grenoble, on essaye de développer un groupe de recherche interdisciplinaire sur la CA qui s'appelle Interaction. C'est au début, hein, parce que ça fait que 2 ans qu'on essaye de collaborer ensemble. Et pour l'instant, on est aussi un peu en phase, on va dire, d'exploration et de mesurer tous les enjeux qu'il y a et tout le travail qu'il y a à faire. Donc, Didier Schwab et Benjamin Lecouteux, donc, qui travaillent à la base entraînement automatique des langues, sont plutôt orientés vers le développement, l'adaptation et l'amélioration des outils. Et puis, nous, on est plutôt orientés sur comprendre la communication. Et pour la comprendre, on a besoin d'outils pour la décrire. Et puis, on essaye de beaucoup s'impliquer dans la formation initiale des étudiants et de leur apprendre qu'est-ce que c'est, notamment la communication alternative et augmentée. Et qu'est-ce que c'est aussi que le handicap sévère et la déficience intellectuelle en général. Certains d'entre vous ont participé et participent au projet Participation. Donc c'est un des premiers projets de recherche qu'on a mis en place dans ce cadre-là en collaboration avec l'AFSA pour répondre à un appel à projet qui était là par la Fondation des maladies rares. L'objectif du projet Participation, c'est de décrire les comportements communicatifs des personnes avec un trouble complexe de la communication, avec les méthodes de la recherche que nous, on connaît. Donc, ce n'est pas un projet qui est à la base centré uniquement sur le syndrome d'Angelman. Donc, moi, en général, on pourra en discuter après si vous vous demandez pourquoi. Et voilà, mais je ne suis pas vraiment pour les approches centrées sur un syndrome spécifique, puisque je trouve que du coup, on perd un peu en amplitude et en moyens.
Alors que quand on va étudier différents syndromes en parallèle, ben, du coup, ça permet aussi d'apporter des connaissances, de transférer des connaissances qu'on a pu développer pour un syndrome vers un autre. Voilà, donc dans le projet participation, on va faire des observations, deux types d'observations, des enregistrements de vidéos de la personne qui communique au quotidien et puis des questionnaires aux familles. Donc ça, c'est les deux méthodes qu'on a choisies. Et puis, on va analyser les résultats en se basant sur nos connaissances sur la recherche sur la communication. Et donc, le premier volet, par contre, d'analyse, on va le dédier au syndrome d'Angelman parce qu'on ne peut pas non plus tout analyser d'un coup. On commence à avoir pas mal de données là. Et du coup, comme le financement qu'on a pour l'instant, c'est un financement que sur 2 ans et puis qui n'est pas très gros, on va se focaliser sous un sous-ensemble. Mais sur le long terme, l'objectif qu'on voudrait bien atteindre, c'est de créer une base de données comportementale sur les syndromes neurogénétiques rares, qui permettrait notamment aussi de voir si les spécificités qu'on présuppose sur certains syndromes, ou qu'on pense en tout cas observer, sont vraiment réelles, ou si c'est des artefacts du fait qu'on s'attend à les observer chez la personne. Alors, je vais parler du syndrome d'Angelman. Je ne vais pas rentrer dans les détails du génotype, etc. Enfin, puisque je pense que la plupart des gens ici le connaissent, voire certains connaissent mieux que moi les mécanismes qui induisent ce syndrome. Du coup, on sait que c'est un dysfonctionnement du gène UBE3A, hein, qui est une altération d'une protéine, et que cette protéine, en fait, malheureusement, elle code pour le bon développement neuronal. Donc, forcément, les conséquences, ça va être des difficultés qui vont être globales et puis qui vont toucher les apprentissages et l'adaptation. Il y a différentes formes dans le syndrome d'Angelman. Là, c'est des chiffres d'un article de 2016. Il y a d'autres articles qui ne donnent pas exactement les mêmes chiffres, mais globalement, quand même, on a une dominance à 60%. Amélie ? Oui ? Désolée de t'interrompre, mais en fait, je viens de me rendre compte que ton diaporama, il ne défile pas. J'ai cru que ça était normal, c'était une introduction, mais… Du coup, là, comme tu fais référence à ce qui est écrit, du coup, je te le dis. T'as que la première. Ouais, on n'avait que celle-là depuis que tu as commencé. Ouais. Ouais, absolument. Ok, super. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit avant. J'ai cru que c'était parce que tu faisais une introduction et que tu n'avais pas encore de… Non. Même chose pour moi, je n'osais pas. Merci, Marion. Alors, c'est pas grave, on va recommencer. Je vais essayer de partager. Alors ça, c'est vraiment la loi de l'emmerdement maximum parce que je n'ai jamais eu ça avant. C'est clair. C'est vraiment bizarre. Là, je partage tout mon écran. Alors, je vais relancer. Vas-y, là, essaye de défiler. Si je défile, ouais, là, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, ben, je vous repasse les slides vite fait. Hein. Ça, c'était pour le CV. Ça, c'est ma sœur Caroline. Comme ça, quand même, vous avez des images derrière. Ça, c'est ma fille Jolène. Ça, c'était le slide pour expliquer les collaborations entre chercheurs. Bon, le slide sur projet participation qui n'était pas hyper intéressant à regarder. Et j'en suis au slide du coup sur le syndrome d'Angelman, voilà, sur le génotype. Donc, en général, c'est autour de 70% de formes qui sont en lien avec des délétions et puis d'autres formes plus rares qui sont liées à des disomies uniparentales, des défauts d'empreinte ou des mutations du gène concerné, sachant que si je mentionne ça ici, c'est parce que du coup, dans les études sur la communication que je vais présenter après, il y a des fois une distinction des compétences selon l'étiologie. Donc, le syndrome d'Angelman, moi, ce qui m'a frappé le plus quand j'ai eu connaissance de ce syndrome, moi, qui à la base travaille en sciences cognitives et qui suis très centrée sur l'adaptation, l'apprentissage, la plasticité neuronale, c'est ce problème de développement neuronal et de plasticité neuronale qui est vraiment problématique, qui est la caractéristique principale du syndrome. Hein. Donc, du coup, dans l'article de Butting, c'est un schéma que je trouve pas mal parce que du coup, il montre juste le fait que dans le syndrome d'Angelman, il représente de manière graphique le fait que on a un développement synaptique qui est plus réduit et puis on a un remaniement, une plasticité cérébrale du coup qui est aussi plus réduite que chez les personnes qui n'ont pas ce type de problème. Et du coup, ben, ça va entraîner un trouble cognitif et moteur global. Et en particulier, ce qui revient et qui est intéressant entre guillemets pour nous, c'est le fait que systématiquement dans la description du syndrome d'Angelman, il y a le fait qu'il n'y a pas ou très peu de parole. Alors, sur les aspects, je ne vais pas repasser les aspects comportementaux du syndrome d'Angelman, je vais juste me centrer sur la communication. J'ai choisi de montrer un article ici, qui est un article de 2021,
qui a étudié en fait en utilisant des échelles plutôt quantitatives et qui consiste en une approche assez classique qui consiste à positionner les personnes avec le handicap relativement au développement typique. Donc, c'est des approches qui sont critiquables selon comment on voit le problème et ce à quoi on s'intéresse. Hein, mais du coup, je vais essayer de montrer pourquoi c'est intéressant de regarder cet article. Donc, dans cet article, dont la référence est citée en bas ici, ils ont les résultats de 250 personnes avec le syndrome d'Angelman sur un total de 848 évaluations. Ça veut dire qu'ils ont mesuré les compétences des personnes sur différentes dimensions à différents moments et qu'en moyenne, ils ont à peu près 3 observations par personne. Sur une évaluation des compétences cognitives, de la motricité globale et fine et de la communication réceptive et expressive. Donc, je ne vais pas avoir le temps de passer les compétences cognitives, la motricité globale et fine, hein, je vais juste me centrer sur les compétences en communication réceptive et expressive. Et ils ont utilisé pour ça différents outils qui sont assez classiquement utilisés pour évaluer les personnes et pour évaluer le développement intellectuel, notamment des personnes. Sur la communication réceptive d'abord, donc le graphe ici que j'ai quadrillé en jaune en plus par-dessus, ici en gris on a le développement des enfants, les enfants à développement typique on va dire, en rouge ça représente les personnes avec syndrome d'Angelman avec une délétion, en bleu c'est les personnes sans délétion et ici du coup c'est un score de communication réceptive. Donc ce que j'ai remis en jaune ici, c'est des lignes qui correspondent à 1 an dans le développement neurotypique, 2 ans ou 4 ans. Ce qu'on observe, c'est que ben, en termes de communication réceptive, les personnes avec des lésions se débrouillent moins bien que les personnes sans des lésions globalement. On voit que dans les personnes sans des lésions, on a certaines personnes qui vont arriver à des niveaux de compréhension de l'ordre des enfants de 3 ans. Alors que dans les personnes avec des lésions, on est plutôt sur des niveaux en dessous de 1 an. Moi, j'ai un peu du mal avec ce type de test parce que comme on teste de la communication réceptive et que c'est des tests qui n'ont pas été conçus pour les personnes, ben, en fait, c'est difficile vraiment de savoir ce qu'apporte le test. Hein. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'a pas le test qui ne permet pas de mesurer une progression après 8 ans. On a même l'impression chez le groupe sans délétion que ça diminue. C'est juste un artefact du modèle. Ça ne veut pas dire qu'après, il diminue. C'est juste qu'on n'a pas les moyens de mesurer la progression. Et puis, ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a un effet plancher dans le groupe avec délétion qui montre que le test il n'est pas très bien adapté pour mesurer leur compréhension. Mais on a quand même, reste cet écart entre les deux groupes, c'est un écart qui revient sur quasiment toutes les compétences, sauf sur les compétences en expression, où là, la différence, elle est moins claire entre les deux groupes. Là, on a un effet plancher sur le test, puisque les deux groupes, de toute façon, sont en dessous des enfants de 1 an. Et ce que ça dit ici, ça dit que ben on peut pas très bien on peut pas conclure grand chose, mis à part que ben c'est les personnes avec le syndrome d'Angelman ne parlant pas, ben c'est très difficile d'évaluer leur communication expressive avec des tests classiques qui présupposent quand même que la communication et le langage passent par la parole. Donc, le syndrome d'Angelman, ça fait partie des syndromes cités en exemple dans les articles sur la communication, sur la CA, etc., où on a ce qu'on appelle une dissociation entre la compréhension et la production de la parole. C'est aussi le cas de la trisomie 21. Et du coup, l'absence de la parole, c'est aussi un trait comportemental qui est systématiquement évoqué et auquel les familles sont très sensibles. Là, je vais passer un petit moment pour reprendre certains articles. Ouais, alors tout ce que je dis, c'est basé sur de la littérature scientifique. Hein, je suis désolée, mais c'est mon travail de faire ça. Donc je sais que parmi vous, il y a des gens qui auront des approches plus cliniques et pratiques. Mais moi, mon apport, c'est vraiment de travailler sur la littérature internationale. Comment les personnes avec le syndrome d'Angelman communiquent-elles? Donc, il y a un article de revue qui est paru en 2019, qui a été cité dans le PNDS. Donc, cet article de revue, il commence déjà en disant qu'il y a peu d'études sur la compréhension. Donc, en gros, tout ce qu'on va dire ici, ça va être des résultats en expression, parce que la compréhension, c'est pas bien l'évaluer. On ne sait pas bien évaluer la compréhension chez les personnes avec des déficiences cognitives sévères. Donc, dans leur article, ces auteurs, ils commencent par dire, donc c'est un article de revue qui reprend toute la littérature
toutes les choses qui ont été publiées en recherche sur le syndrome d'Angelman et qui garde en gros, qui va analyser 17 articles qui ont été sélectionnés sur des critères de rigueur scientifique, on va dire. Et dans cet article, il commence par dire que dans la recherche sur les déficiences intellectuelles, il y a souvent des imprécisions dans l'utilisation de termes tels que langage et parole, malgré la différence significative entre les troubles du langage et ceux de la parole. Donc, ils disent que dans les populations, les problèmes de communication et de langage sont courants, comme les personnes ayant une déficience intellectuelle. Il est nécessaire de préciser et de clarifier ces termes et donc les concepts pour adapter le soutien à l'intervention de manière appropriée. Donc, à chaque fois, en fait, et ça, c'est quelque chose qui revient dans pas mal d'articles et de recherches et que nous, on rappelle systématiquement, il faut bien distinguer communication, langage et parole et surtout pas confondre langage et parole. Cette distinction, elle est reprise par Libby Cumin. Libby Cumin, c'est une orthophoniste qui est spécialiste de la trisomie 21 et elle commence ses présentations aux familles, mais aussi son livre, en marquant cette distinction entre la communication, le langage et la parole, et en expliquant que ce n'est pas qu'un problème académique de « oh là là, il faut qu'on définisse les termes » parce que c'est bien de définir les termes. Hein. C'est vraiment, on ne peut pas bien prendre en charge le trouble complexe de la communication si on n'a pas bien compris la distinction entre les trois. Et ou qu'on les utilise de manière interchangeable, notamment dans les bilans sur les enfants, ce qu'on voit souvent dans les mémoires d'orthophonie, ce qu'on voit aussi souvent pour le langage et la parole en tout cas. Donc, la communication, le langage et la parole, ça réfère à des concepts différents, même si c'est vrai que quand dans le développement typique, chez les personnes à développement typique, le langage va passer essentiellement par la parole. La communication, c'est quelque chose de beaucoup plus large qui va inclure une communication langagière, non langagière, qu'on va pouvoir aussi parfois appeler verbale, non verbale, symbolique, non symbolique. La communication, elle passe par différentes modalités. Le langage aussi, il passe par différentes modalités. En particulier, le langage, il va passer par la parole, mais c'est juste une modalité langagière. Le langage, il peut aussi passer par les signes ou par les images, par exemple. Et c'est important de bien avoir en tête que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, qu'on n'a pas le langage et qu'on ne comprend pas la parole. Et ça, on a l'impression, peut-être dit comme ça, ça peut paraître une évidence. Mais dans la pratique, moi, j'entends encore systématiquement des professionnels qui disent « il n'a pas le langage, elle n'a pas le langage », alors qu'en fait, c'est « il ne parle pas » et qu'ils en savent rien s'il a le langage ou pas. C'est important de ne pas confondre les concepts. Pourquoi ? Parce que souvent, on en arrive à des raccourcis où c'est il a un trouble de la parole, donc il a un trouble de langage, donc il a une déficience intellectuelle. Et du coup, dans la trisomie 21, et je pense que c'est aussi le cas dans le syndrome d'Angelman, même si les difficultés sont plus graves, sont plus importantes, on va avoir tendance à penser que le trouble de la parole, il est lié à la déficience intellectuelle, alors qu'il y a bien une dissociation entre les deux, comme on a dans le syndrome d'Angelman, on l'a vu tout à l'heure, hein, les personnes comprennent mieux la parole qu'elles peuvent la produire, donc ce n'est pas qu'une déficience intellectuelle. Malheureusement, on a tendance à inférer les compétences intellectuelles des personnes sur la base de leurs compétences expressives, et en particulier en parole. Donc ça, c'est ce que je viens de dire, hein. On sait que dans le syndrome d'Angelman, comme dans la trisomie 21, on a des compétences réceptives en compréhension qui sont supérieures en compétences expressives, même si elles sont vraiment difficiles à évaluer dans le cadre du syndrome d'Angelman. Si on s'intéresse ensuite, la plupart des articles qui décrivent la communication des personnes avec des handicaps sévères vont séparer en fait différents niveaux de description. Ils vont décrire la modalité. Donc, la modalité, c'est comment est-ce que j'envoie mon signal, hein, dans quelle modalité, la fonction communicative et puis parfois le contenu sémantique. Alors, comment j'envoie mon signal ? Donc, souvent, on va distinguer les modalités verbales et non verbales. Donc, les modalités verbales, si on prend verbal comme synonyme de linguistique et pas comme de parole, parce qu'il y a, une ambiguïté sur le terme, hein, ça va impliquer tout ce qui est langagier, donc la parole, la langue des signes, certains usages de pictogrammes. Et puis, la communication non verbale qui va impliquer, donc ça, c'est vraiment tout ce qui est énuméré ici, ça vient d'un article de recherche qui définit la communication non verbale. Donc, ça va inclure des gestes manuels, des expressions faciales, le regard, des mouvements corporels, des postures, mais aussi des intonations, comment est-ce qu'on parle. Dans la parole, il y a des aspects aussi non-verbaux. Ça peut impliquer le toucher, la modalité haptique, l'utilisation d'objets ou d'éléments de l'environnement, les variations de la distance physique, le fait de se rapprocher de quelqu'un ou de s'éloigner,
la manière dont on s'habille, dont on soigne notre apparence physique, et puis la gestion du temps, par exemple, si on fait beaucoup attendre quelqu'un ou pas, ça peut être aussi une modalité de communication. Donc ça, ce n'est pas spécifique aux personnes d'Angelman, hein, c'est la communication non-verbale en général. Et il faut savoir que nous, en fait, on communique beaucoup plus par la communication non-verbale que verbale, avec des pourcentages qui sont de l'ordre de 65-35%. Donc, on a plutôt 65% de non-verbal et 35% de verbal dans notre communication au quotidien, même si on continue de donner bien plus d'importance à la parole et au langage qu'à la communication non-verbale. Sur les fonctions communicatives, là, on va essayer de voir pourquoi est-ce que la personne elle envoie le signal. Donc, en général, on part du principe que le signal il est envoyé de manière intentionnelle. Et donc, on a des normes, nous, en recherche sur la communication qui permettent de décrire les fonctions communicatives du dialogue. Et par exemple, parmi les fonctions communicatives, on va avoir la gestion de l'information. Donc, la gestion d'information, ça va être la capacité à poser une question ou à fournir une information avec différentes manières de le faire. La gestion de l'action, donc faire une demande, demander à l'autre de faire quelque chose ou s'engager soit à faire quelque chose ou répondre à une demande. Et puis ensuite, on a plein de fonctions qui sont très spécifiques à la gestion de la communication, qui sont la gestion des tours paroles. C'est ton tour, c'est mon tour, attends, je n'ai pas fini. Ce qu'on appelle le feedback, qu'on peut traduire par le retour en français, mais qui n'est pas une traduction très, très explicite, qui est « je t'ai compris, je ne t'ai pas compris »,« ah, ok », tous ces petits mots, ces petits mouvements, ces petits gestes, ces expressions faciales qu'on fait pour montrer à l'autre qu'on l'écoute, qu'on le comprend ou qu'on ne le comprend pas. Et puis il y a tout ce qui est les obligations sociales, et puis bon, il y en a toute une liste comme ça, je ne vais pas tous les passer. Mais donc souvent quand on va étudier la communication des personnes, y compris les personnes avec le syndrome d'Angelman, on va regarder est-ce qu'elles réalisent ce type de fonction et comment. Et puis on a toute une série de comportements qui dans la littérature, donc chez ce type d'auteur-là, Burgon et Hall, n'est pas considéré vraiment comme de la communication, qui sont ce qu'on appelle des manifestations ou des displays ou encore de la communication préintentionnelle. Ça va être les expressions des états internes, les expressions des émotions, telles qu'on va les retrouver chez les bébés, mais telles qu'on peut aussi les retrouver chez certains communicants qui n'ont pas développé l'intentionnalité pour une raison ou pour une autre. Je reviendrai un petit peu sur ces comportements-là après. Alors, Pearson et Hall, ils ont regardé quelles modalités communicatives utilisent les personnes avec le syndrome d'Angelman. Donc, ils utilisent essentiellement de la communication non-verbale ou non-symbolique. J'aime pas trop utiliser les termes symboliques et non-symboliques parce que souvent, il y a des modalités de communication qu'on va classer en non-symbolique, mais qui, en fait, où la personne fait un usage symbolique. Donc, ça pose un peu problème, quoi. Donc, en termes de communication non-verbale, ils vont utiliser des vocalisations. Alors, il y a un article de 2018 qui est un des rares articles qui adopte une approche un peu comme on fait nous, c'est-à-dire une analyse directe des signaux sur des vidéos, sur des enregistrements audio. Hein, nous, c'est ce qu'on fait en recherche, on analyse des signaux acoustiques ou des vidéos, des enregistrements objectifs, on va dire. Et donc, dans cet article, Greco et Hall, ils se sont rendus compte qu'avec les tests tels que ceux que j'ai présentés avant, là, en particulier avec l'échelle de Bailey, celle où, vous savez, les graphes avec les courbes bleues et les courbes rouges, là, ils n'arrivaient pas bien à évaluer les personnes et ils n'arrivaient pas bien à les évaluer, notamment pour distinguer, pour mesurer l'effet quand on introduit un traitement, donc que ce soit un traitement médical ou que ce soit une intervention. Pour pouvoir mesurer l'effet du traitement, il faut pouvoir bien mesurer la communication des personnes. Et donc, avec les échelles existantes, ce n'était pas assez sensible, ils n'arrivaient pas. Donc, ils ont évalué la possibilité d'utiliser deux types d'enregistrement, des enregistrements audio avec ce qu'on appelle un LENA. Un LENA, c'est un tout petit enregistreur qu'on met sur la personne. Et puis, pendant que la personne fait une activité, on enregistre en continu ce qu'elle dit, ce qu'elle produit. Et puis, avec des enregistrements vidéo pour pouvoir aussi voir les gestualités. Et sur la parole, donc je vais juste résumer ce tableau et ce schéma ici, hein, ce qu'ils observent sur les vocalisations des personnes avec le syndrome d'Angelman, donc c'est pendant qu'elles sont en train de jouer avec une orthophoniste, ils vont observer qu'elles produisent essentiellement des voyelles et des syllabes CV de type consonne-voyelle en termes de son produit. Et les résultats, l'analyse des voyelles qui font et des consonnes, il faudra me croire sur parole, mais pour aussi aller lire l'article, ça montre que ces personnes, en fait, elles ont un très mauvais contrôle de leur langue
et qu'elles laissent leur langue essentiellement en position centrale ou arrière. C'est aussi pour ça que quand elles vont bouger la mâchoire, elles vont avoir tendance à faire osciller leur mâchoire, elles vont avoir tendance à faire des sons type que, gue, donc qu'on appelle des vélaires en phonétique, et qu'elles ont plus de difficultés à faire des te, de, même s'il y en a qui le font, parce que ça demande un contrôle plus complexe de la langue qu'elles n'ont pas. Voilà, et pareil, hein, si on analyse les voyelles, on voit aussi cette tendance à laisser la langue au centre ou à l'arrière et avoir un problème de contrôle de la langue. Alors, ce n'est pas très étonnant que du coup, je fais juste un aparté sur la parole, hein, ce n'est pas très étonnant que la parole soit altérée autant dans le syndrome d'Angelman, puisque pour la parole, c'est la modalité de communication qui est la plus complexe. Dans le contrôle moteur, donc moi j'ai fait un postdoc avec des gens qui travaillent sur le contrôle moteur, ils n'aiment pas trop étudier la parole, même si c'est une compétence motrice. Pourquoi ? Parce que c'est très très complexe et que c'est très difficile à comprendre le contrôle moteur de la parole. La parole, elle demande d'abord de contrôler ses articulateurs, donc la langue, les lèvres, et de le faire de manière, mais aussi le vélum, hein, donc ici, et de le faire de manière coordonnée avec le contrôle des cordes vocales, avec la vibration des cordes vocales. Et ça demande aussi de coordonner ça avec un contrôle respiratoire, qui n'est pas du tout simple à acquérir. Et puis, elle repose en plus sur un retour qui est auditif. Or, le traitement auditif, il est altéré dans beaucoup de pathologies neurologiques. C'est aussi le cas dans la trisomie 21, la mémoire auditive, elle est pas, c'est pas toujours bien évident pour eux. Et elle repose aussi sur des retours somatosensoriels dans la bouche, etc. Et puis, la parole, elle demande beaucoup de connexion cérébrale, elle demande beaucoup de stimulation et elle est longue à apprendre, en fait. On a l'impression qu'on l'apprend de manière spontanée, que c'est facile, mais en fait, la parole, il y a plein d'enfants qui ont des problèmes avec la parole, c'est très long et compliqué à apprendre. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'elle soit altérée dans le syndrome d'Angelman. On peut se poser la question de comment améliorer les compétences articulatoires. Je fais un petit aparté ici, parce que pour le coup, dans la trisomie 21, alors je ne sais pas trop, peut-être c'est quelque chose dont on pourra parler après. Je ne sais pas trop si vos enfants ou si les personnes que vous suivez avec le syndrome d'Angelman, elles ont pu bénéficier ou pas de ce type de thérapie. C'est des thérapies qui sont de plus en plus utilisées dans la trisomie 21, qu'on appelle les thérapies oromotrices. Donc dans la trisomie 21, c'est conseillé de faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc ça, c'est une maman américaine et c'est une vidéo du site Talk Tools qui vend du matériel et des livres pour ce type de thérapie. Donc l'avantage l'intérêt de ce type de thérapie, c'est que là, en fait, elle stimule l'intérieur de la bouche pour développer la sensibilité de la petite. Ça va l'aider à mieux positionner sa langue, ça va l'aider à mieux prendre conscience de sa langue et ça va l'aider du coup dans l'alimentation. Alors, est-ce que ça aide dans les gestes articulatoires de la parole? Ça, c'est très controversé en recherche sur l'apprentissage. On ne sait pas s'il y a un transfert ou pas de ce type d'exercice à l'articulation de la parole. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça ne peut pas lui faire de mal. Donc moi, quand j'ai le diagnostic de ma fille, j'ai contacté Martine Hennequin. Martine Hennequin, c'est quelqu'un qui travaille qui travaille pas mal sur tout ce qui est soins dentaires et motricité orofaciale dans la trisomie 21. Elle m'avait orientée vers un centre en Suède où il traite les personnes avec le syndrome d'Angelman avec ce type de thérapie. Et du coup, j'avais envoyé une vidéo de Jolene et il m'avait conseillé de faire ce type de massage à Jolene quand elle était petite. Ce que j'ai essayé de faire et que je continue de faire avec la brosse à dents régulièrement, avec plus ou moins de succès d'ailleurs et plus ou moins de motivation. Sinon, donc, les personnes avec le syndrome d'Angelman, elles ont du mal pour utiliser la parole et elles utilisent des vocalisations limitées. Donc, elles vont utiliser d'autres types de communication. Elles vont utiliser notamment la manipulation physique des autres personnes. Elles vont utiliser la gestualité. Alors, d'après Pearson et Hall et la revue de la littérature qu'ils ont fait, ça va surtout être des gestes déictiques ou ce qu'on appelle nous proto-déictiques, hein, des gestes où on va essayer de saisir avec ou sans attention partagée. L'usage des gestes représentatifs est beaucoup plus rare et selon certains auteurs, il y a plus de gestes dans les formes sans délétion qu'avec, mais ce n'est pas hyper clair.
Alors, le geste manuel, donc je vais passer sur les autres parce qu'après, je ne reviendrai pas sur ce slide. Elles m'ont aussi utilisé des expressions faciales, des regards et des mouvements corporels en termes de communication non-verbale. Alors, je voulais juste passer une petite vidéo qu'a fait Marion pour vous rappeler à quel point le geste manuel, il est naturel chez l'être humain et il est omniprésent dans la communication, y compris dans la parole. Donc, on fait des gestes tout le temps quand on parle. Et en fait, on fait tellement des gestes tout le temps quand on parle que c'est devenu, il y a une explosion des travaux de la recherche sur les gestes co-verbaux ces dernières années. Il y a énormément, j'ai commencé à travailler sur les gestes déictiques pendant ma thèse, sur le geste de pointage, et je ne sais pas, 5 ans après, ça avait complètement explosé, et 10 ans après, il y en a encore plus. Quand on parle, on bouge nos mains, alors on bouge nos mains de différentes manières, de manière non linguistique, on appelle ça des gesticulations, des gestes de battement, on fait aussi des gestes conventionnels, on en a vu pas mal dans cette vidéo. Des super, coucou, voilà, puis aussi des gestes avec des expressions faciales qu'on contrôle. Et puis on fait des gestes moins conventionnels, comme pour dire un gros chat, un petit morceau. Et ça, on le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très naturel pour l'être humain de faire des gestes avec ses mains quand il parle. Et on peut le faire de manière plus ou moins contrôlée. Alors, on sait que ces gestes, en fait, ils aident à produire, mais ils aident aussi à percevoir, ils aident à focaliser l'attention de l'interlocuteur, à attirer son attention. Mais ces gestes, ils aident aussi quand c'est un instituteur qui les fait, par exemple, ou quand c'est un apprenant qui les fait, ils aident à mémoriser et à comprendre. Donc là, je ne vous ai pas mis de référence, mais il y a une littérature énorme sur le geste, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et du coup, c'était juste pour dire que ce n'est pas propre au syndrome d'Angelman et que faire des gestes avec les personnes avec le syndrome d'Angelman, même si elles, parfois, elles n'arrivent pas à les faire, ben, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça peut aussi les aider à focaliser leur attention. Ça peut leur apporter une information supplémentaire. Et eux, ils vont arriver à faire certains gestes. Alors, avec plus ou moins, selon les personnes, avec plus ou moins de succès, puisque dans le syndrome d'Angelman, on a en particulier dans les délétions, la motricité fine est très altérée, et c'est vrai que faire des gestes manuels, ça peut demander un certain niveau de motricité fine, surtout si on va vers des signes. Donc les gestes, ils peuvent aussi, la parole, elle peut être remplacée par des gestes, hein, notamment par des mimes ou par des signes. Donc les signes, on va inclure dedans les signes de la langue des signes, mais on peut aussi inclure des gestes qui se conventionnalisent et qui deviennent symboliques. En termes de communication verbale, on va parler de communication symbolique ou linguistique. Alors, il faut savoir que Pearson dit que dans les articles anciens, on disait que les personnes avec syndrome d'Angelman n'avaient pas de communication symbolique, ils n'utilisaient pas de symboles. Et puis, petit à petit, dans les recherches plus récentes, on voit apparaître l'usage de symboles par les personnes avec le syndrome d'Angelman. Donc, selon les auteurs, c'est lié à plusieurs facteurs. Ils évoquent la désinstitutionnalisation et aussi les méthodes d'investigation, donc le fait qu'on va plutôt utiliser maintenant des questionnaires aux familles, par exemple, que des observations directes, parce que le problème de l'observation directe avec le syndrome d'Angelman, c'est direct en cabinet d'orthophonie, par exemple, c'est que les personnes, elles ne vont pas du tout se comporter comme à la maison, elles ne vont pas forcément démontrer toutes les compétences qu'elles démontrent à la maison. Donc, les signes, ils sont utilisés par beaucoup de personnes avec le syndrome d'Angelman, mais parfois, on va avoir juste très peu de signes, hein, ce qui est pour la majorité des personnes. Donc, eux, dans les études qu'ils citent, ils ont observé, les gens observent entre 2 et 200 signes selon les personnes, mais il y a seulement 2 personnes qui ont plus de 10 signes. Donc, on ne sait pas bien pourquoi, il n'y a rien qui est précisé dans cet article sur pourquoi il y a des personnes qui en ont autant et d'autres moins. Ça reste des choses à explorer. Et puis, on sait qu'il y a une approximation des signes chez les personnes avec le syndrome d'Angelman du fait des problèmes de contrôle moteur. Elles vont aussi utiliser pour communiquer, en termes de communication symbolique, des images, des objets qui peuvent représenter une action, et puis certaines des symboles abstraits. Donc, ça, c'est entre 18 et 47% des personnes ou entre 13 et 30%. Et ils rapportent que l'usage des symboles est plus fréquent dans les formes sans délétion que dans les formes avec délétion. Ils ont ensuite une petite partie sur la CA dans cet article sur la CA qui supporte, donc comment est-ce que les personnes donc sur la communication alternative est augmentée.
Comment est-ce que les personnes avec le syndrome d'Angelman, d'abord, est-ce qu'elles utilisent les outils de communication alternative augmentée et comment? Donc, c'est un peu embêtant parce qu'ils ont une définition de la communication alternative augmentée qui est réduite à l'usage des tablettes et des classeurs. Donc, si j'ai le temps après d'expliquer la communication alternative augmentée, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Donc, globalement, ce qu'on observe d'après les questionnaires aux parents, c'est qu'il y a entre 62 à 70% des personnes qui utilisent un outil de CA avec support. Et à peu près 48%, c'est des chiffres aux États-Unis essentiellement, hein, qui vont utiliser des tablettes. Alors, il faut savoir qu'il n'y a que 4% des parents qui rapportent un réel succès, un franc succès dans l'usage de ces outils. Mais il n'y en a aussi que 4% qui rapportent un échec total. Donc, ça veut dire qu'au milieu, il y a quand même une bonne partie des gens qui vont dire que la personne, elle utilise l'outil avec plus ou moins de succès. Donc, il y en a 70% qui disent qu'ils l'utilisent avec un certain niveau de succès. Mais surtout, ce qui ressort de cette revue, hein, c'est qu'on manque vraiment de recherche sur l'usage de la CA dans le syndrome d'Angelman, tout en sachant que le geste de pointage, en fait, ça reste quand même un acte moteur très simple, en particulier quand il se fait au contact sur une tablette. Et du coup, on peut supposer quand même que l'usage des outils avec pointage, c'est quand même une modalité qui devrait être vraiment avantageuse pour les personnes avec le syndrome d'Angelman, en termes moteurs en tout cas. Et par contre, ce qui ressort aussi, c'est que même si la personne, elle utilise avec un certain succès une tablette, un classeur de communication, etc., en contexte, elle va toujours favoriser la méthode qui est pas, qui est sans support quand elle peut. C'est-à-dire qu'elle va plutôt avoir tendance à gestualiser, à utiliser la communication non verbale. Et puis enfin, la dernière partie de l'article, c'est sur les fonctions de la communication. Donc, pour quelles raisons les personnes avec le syndrome d'Angelman communiquent? Quel type de fonction elles réalisent. Du coup, la plupart du temps, elles expriment un refus. Il y en a à peu près 22% qui vont effectuer des actes d'échange d'informations et seulement 5% des commentaires. C'est surtout des demandes. Et puis, par rapport à d'autres syndromes, elles font peu d'imitations. Les études qui ont comparé, par exemple, la trisomie 21 avec le syndrome d'Angelman ou d'autres types de syndromes remarquent qu'il y a peu d'imitations dans le syndrome d'Angelman. Et puis, il y a plus de fonctions dans les formes sans délétion qu'avec délétion. Donc, actuellement, on a vraiment peu d'études sur les fonctions communicatives réalisées par les personnes avec le syndrome d'Angelman. Et puis, les fonctions réalisées, elles dépendent aussi de la modalité communicative dont on dispose pour s'exprimer. Hein. Par exemple, si on donne des outils aux personnes qui ne leur permettent pas de poser des questions, ben, c'est sûr qu'elles ne pourront pas poser des questions. Donc, je suis en train de dépasser le temps. J'ai été un peu perturbée au début. Si vraiment je vais trop loin, vous me coupez. Je vais essayer de finir d'ici 10-15 minutes. C'est bon. C'est bon. C'est un peu perturbant, du coup, voilà. Nous, dans le cadre de participation, on a revu un peu la caractérisation des fonctions de la communication en fonction de la littérature qui étudie les fonctions de communication dans les dialogues entre personnes tout venant. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que dans les questionnaires qu'on utilise actuellement pour évaluer la communication des personnes avec des difficultés comme le syndrome d'Angelman, on va avoir certaines fonctions communicatives qui n'apparaissent pas. On ne demande pas aux parents si l'enfant perd certains actes de communication, notamment tout ce qui est autour de la gestion des tours et du dialogue. Et puis, il y a des fois des problèmes de distinction entre les fonctions et les dimensions. Et inversement, en étudiant les questionnaires qu'on utilise, notamment comme le profil pragmatique, etc., et puis en commençant à analyser les réponses des parents au questionnaire, on se rend compte que nous, en recherche fondamentale, dans les outils dont on dispose pour décrire les fonctions de la communication, on va manquer de fonctions autour du contact social. On voit que les fonctions autour du contact social sont beaucoup plus développées dans les questionnaires qu'on utilise avec les personnes avec les syndromes d'Angelman qu'avec les personnes tout venant. Et puis, on voit aussi qu'on va avoir un manque de fonctions pour décrire tout ce qui est la gestion de la communication de l'autre, sachant que nous, dans les dialogues qu'on observe entre des personnes avec le syndrome d'Angelman et leurs aidants, il y a beaucoup, les aidants vont beaucoup aider la personne à communiquer, lui proposer des alternatives, etc. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas encore bien considérées dans les normes d'annotation du dialogue, parce que
c'est rare en fait qu'on aide la personne en face de nous, qu'on lui apporte un soutien, qu'on lui donne un modèle pour communiquer, etc. Et nous, si on veut pouvoir caractériser ces comportements-là, ben, il faut aussi qu'on revoie ces classifications. Et puis, alors, la dernière chose qu'ils ont regardée dans Pearson et Hall, quand même, c'est les interventions pour aider la communication. Et alors là, sur les 17 articles qu'ils ont revus, ils ont deux études qui ont vraiment étudié l'effet d'une introduction d'une méthode sur la communication des personnes. Et ces deux études, donc il y en a une qui a impliqué 9 personnes, c'est une étude sur ce qu'on appelle le geste amélioré, donc de calculatorial. Donc, en gros, ils apprennent aux parents à repérer des gestualités que la personne fait au quotidien, qu'elle est capable de maîtriser, et on va détourner la gestualité vers une fonction communicative. Ça s'appelle le geste amélioré. Donc, ça, c'est montrer que ça fonctionne et que les parents sont plutôt, vivent plutôt bien ce type d'intervention. Et puis, une autre étude qui impliquait seulement 3 personnes, dont le but, c'était de réduire les comportements des filles, en remplaçant les comportements des filles par de la communication sur des outils de CA, sur l'outil de CA de la personne, et ça aussi, ça marchait bien. Mais bon, 2 études avec N égale 9 et N égale 3, et puis 2 méthodes comme ça, très éloignées, je pense qu'on peut dire qu'on n'a pas d'études actuellement très, très importantes sur l'usage des méthodes de CA par les personnes avec le syndrome d'Angelman. Donc, si on résume comment les personnes avec le syndrome d'Angelman communiquent-elles, ben, essentiellement via des canaux de communication non verbaux, non symboliques, et essentiellement pour faire des demandes ou pour rejeter. Ça ne nous dit absolument rien sur comment elles communiquent, elles communiqueront quand elles ont ou qu'elles auront bénéficié d'un meilleur usage de la communication alternative et augmentée, et aussi qu'on disposera de meilleurs outils pour les évaluer. Donc, il y a une grande marge là, de recherche quand même et de travail à faire autour de ça. Et puis, de toute manière, d'une manière générale, actuellement, on a vraiment très peu de données sur l'usage de la CA dans le handicap sévère à profond, et notamment parce qu'on a des problèmes, en fait, au niveau des accords éthiques. Pas nous, pas moi en particulier, hein, mais en fait, impliquer des personnes avec des déficiences sévères dans des études où on va tester l'effet d'une intervention, ça demande des accords éthiques qui ne sont pas du tout faciles à avoir. On rentre dans le cadre de la loi Jardin en France, mais c'est la même chose à l'étranger. Et du coup, on a vraiment du mal. Ça serait bien de pouvoir tester, par exemple, si on introduit le POD sur une période d'un an avec une personne, comment ça se passe et tout. Mais outre les contraintes matérielles et financières, hein, il y a vraiment des problèmes de contraintes éthiques parce qu'on passe là dans de la recherche interventionnelle. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire. Nous, dans le cadre de participation, pour éviter ces problèmes de recherche interventionnelle, on est passé par l'observation en collaboration avec les aidants. Et on pense que du coup, une des solutions pour respecter le droit des personnes et avoir quand même une approche éthique, c'est de construire la connaissance de manière participative, en ayant une réflexion collective sur l'éthique en recherche non interventionnelle. Voilà, et donc l'objectif, c'est de faire une recherche qui est quand même en lien avec la recherche fondamentale, mais qui n'a pas pour objectif d'utiliser les personnes comme des modèles du fonctionnement normal, ce qui a longtemps été fait, c'est aussi pour ça que les personnes sont protégées, mais bien pour comprendre et les aider, pour les comprendre et les aider. Alors, je fais juste un petit passage sur comment évaluer la communication des personnes avec le syndrome d'Angelman, parce qu'aujourd'hui, il y a des préconisations en termes d'évaluation pour les personnes avec des déficiences sévères qui ne sont pas du tout encore appliquées chez nous, en tout cas. Donc, on a bien vu tout à l'heure sur ce type d'évaluation qu'on avait des problèmes. Hein, ça a été aussi repris dans l'article, comme je vous le disais, de Gréco. Les tests classiques ne permettent pas bien de discriminer les compétences des personnes et d'en suivre l'évolution. Les approches quantitatives, elles étaient déjà très critiquées par Vygotsky, qui était un psychologue et pédagogue russe qui travaillait avec les enfants avec des déficiences intellectuelles dans les années 1930 en Russie. Et Vygotsky disait que l'enfant avec un trouble neurodéveloppemental, ce n'est pas un enfant moins développé par rapport à un enfant à développement neurotypique, c'est un enfant qui se développe différemment. Et donc, il critiquait énormément les approches quantitatives type QI, etc. Pourquoi ? Parce qu'elles ne nous donnent rien sur le fonctionnement de l'enfant. Et elles ne permettent pas d'orienter l'accompagnement. Donc, quand on veut évaluer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent évaluer et qui disent qu'il faut évaluer, etc., il faut se poser la question de pourquoi on évalue. Donc, est-ce que c'est pour décrire un syndrome et le situer par rapport à une norme ? Est-ce que c'est pour évaluer un progrès après la mise en place d'un traitement médical ?
ou d'une méthode sur la communication. À l'heure actuelle, l'échelle ORCA et puis plein d'autres travaux qui se font sont quand même orientés vers la mesure de progrès suite pour mesurer l'effet bénéfique des traitements médicaux sur la communication. Ou est-ce que c'est pour déterminer comment aider et accompagner la personne au quotidien? Ce n'est pas forcément les types mêmes types d'évaluations qu'on va réaliser. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne devrait pas évaluer des personnes avec des outils qui n'ont pas été adaptés à leur culture et à leur spécificité sensorimotrice, et puis surtout qui n'ont pas été inclus dans la population test. Souvent, on nous dit « Ah oui, mais quand même, c'était standardisé, c'est bien parce que ça a été fait pour. » On a des étudiants d'orthophonie avec les personnes avec trisomie 21 qui nous disaient « Ah, mais si, mais c'est pas grave s'il y a un effet plancher, c'est que le test, il a été conçu comme ça. » Alors, bien sûr, le test, il a été conçu comme ça, mais il n'a jamais pris en compte des personnes avec trisomie 21 quand il a été conçu, donc on ne voit pas trop bien qu'est-ce qu'il nous apporte par rapport à comment on peut les aider. Donc aujourd'hui, on prône une approche qualitative orientée vers la personne et son environnement. On dit qu'il faut faire des inventaires des compétences communicatives, des besoins, mais aussi prendre en compte la culture de la personne, le comportement des partenaires, les supports de communication qu'ils utilisent et les exigences des différents environnements. Ils disent que cette évaluation doit se faire par une équipe collaborative qui va impliquer aussi les aidants. Donc on n'en est pas encore... Enfin, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont eu leurs enfants évalués de cette manière, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Le but aussi, c'est d'identifier les supports utilisés et c'est de faire tout ça en contexte, donc en considérant les compétences sensorimotrices de la personne et en adaptant le matériel à ses compétences, en considérant la culture, les préférences et en étant orienté dans une approche positive, c'est-à-dire le but. Le but, c'est d'identifier les forces de la personne et pas ses défauts. Alors ça, c'est une approche qui est typique vygotskienne. Et puis à ça, à cette approche positive, on va ajouter une approche dynamique en disant que ce qui est intéressant, ce n'est pas où la personne est là à un instant T, ce n'est pas ce qu'elle sait faire là maintenant, c'est ce qu'elle va pouvoir faire quand on l'aide pour y aller, ce qu'on appelle la zone proximale de développement qui était bien décrite par Vygotsky. Et donc l'évaluation, ben, on ne doit pas que se centrer sur la personne, on doit aussi prendre en compte les supports et les accommodations qui sont requises à l'apprentissage. Alors, à l'heure actuelle, ces des approches-là, elles sont dans les préconisations. Hein, l'approche positive et dynamique, c'est vraiment au cœur des préconisations actuelles. Bon, c'est pas, enfin, on pourra en discuter après, parce que moi, je suis preneuse si vous menez ce type d'observation qu'on a mené avec vos enfants, parce que j'en vois pas trop sur le terrain. Alors, dans le cadre du projet participation, on est aussi sur une forme d'évaluation, mais ce n'est pas vraiment de l'évaluation, parce que nous, on est plus sur de la description en espérant que les outils qu'on va développer pourront servir plus tard à améliorer peut-être aussi les évaluations. Je voulais juste vous parler rapidement du projet. Actuellement, il y en a pas mal parmi vous d'ailleurs qui ont participé. On a 32 participants avec le syndrome d'Angelman, 16 avec une autre étiologie. Dans le syndrome d'Angelman, on a un problème du déséquilibre homme-femme qu'on a du mal à combler. On a plus de garçons que de filles. On a comblé un peu à la rentrée, mais on a toujours un peu un écart. Voilà, on a un âge moyen qui est de 13,5. Donc, on manque d'enfants petits et de personnes plus grandes. Souvent, c'est aussi ce qui se passe dans la littérature. On va être sur les enfants entre 6 et les jeunes ados, qui est la population la plus représentée dans les études de recherche. Et puis, en termes d'envie de vidéo, on a 15 parents qui ont participé et pour le syndrome d'Angelman et 7 autres pour les autres syndromes. Donc, nous, on fait une analyse un peu telle que celle qui a été rapportée avant là, dans Pearson pour décrire la communication des personnes, hein, des modalités communicatives, des fonctions et des dimensions communicatives et puis des aspects plus qualitatifs. Et puis, on s'est rendu compte aussi que dans les questionnaires, les parents apportaient beaucoup, beaucoup d'informations sur tout ce qui est l'environnement et les difficultés de la personne, qui sont aussi des informations pertinentes à prendre en compte. Et du coup, cette année, on a deux mémoires d'orthophonie, donc j'espère qu'on les aura bien en juin et qu'on pourra vous les présenter. Et un travail qu'on appelle de DRTO, d'une étudiante d'orthophonie qui est en quatrième année sur le projet. Donc, un mémoire sur les questionnaires, un mémoire sur les vidéos. Et puis l'an prochain, on aura un mémoire sur le POD, normalement, donc une étudiante qui va travailler sur les participants qui utilisent le POD. Mais du coup, on aimerait bien, on manque aussi, on a un biais vers les participants qui utilisent la CAA, et la CAA avec support et ceux qui ne l'utilisent pas. Donc on manque un peu de participants avec ce type de profil, en fait, qui n'utilisent pas la CAA. Et du coup,
Isabelle Messier, qui est orthophoniste, qui travaille sur le projet, elle est là jusque fin mai. Moi, je vais partir en congé mat bientôt, donc je ne vais pas être très dynamique, mais si vous avez envie de participer, vous pouvez participer en vous adressant à Isabelle. Et puis, je vais terminer par la CAA, donc, qui sont les méthodes et les outils pour soutenir la communication des personnes avec l'ESA, sachant que ben là, on ne peut pas trop s'appuyer sur la recherche, hein, parce qu'il n'y a pas trop d'études qui ont été réalisées spécifiques au syndrome d'Angelman, mais aussi d'une manière plus générale, spécifique à la déficience sévère. Donc, la communication augmentée alternative, que certes, d'autres personnes traduisent par communication améliorée alternative, moi j'insiste sur le terme augmenté, pourquoi ? Parce que il y a tout un courant théorique dans le cadre duquel on travaille qui s'appelle la cognition ancrée, l'humain augmenté. Et donc, augmenté, c'est un mot clé parce que ça permet de repositionner la CA dans le cadre de l'humain augmenté. Et qu'est-ce que c'est l'humain augmenté ? C'est un cadre théorique qui dit que l'être humain, il est augmenté par ses outils et que c'est tout à fait naturel, en fait, que du coup, c'est naturel pour l'être humain d'être augmenté par ses outils. Notre cognition, en fait, elle est très, très dépendante des outils dont on dispose. C'est le cas pour l'humain en développement typique, c'est encore plus le cas pour l'humain en situation de handicap. Mais du coup, ça permet, cet homme augmenté, de faire une continuité entre les personnes en situation de handicap et les personnes tout venant. C'est pour ça que j'insiste sur cet usage du terme. Alors, la CA, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ensemble de méthodes et d'outils pour communiquer quand on ne peut pas parler ou quand on ne peut pas assez bien parler pour dire tout ce qu'on voudrait dire. Donc, la CA, c'est à la base un domaine de la clinique, mais qui est en recherche à l'intersection entre différentes disciplines. Et la CA, c'est pour qui ? Ben, en fait, ça va être pour beaucoup, beaucoup de gens différents. Ça peut être pour des personnes qui ont des difficultés de parole et de langage accompagnées de déficiences sensorimotrices et ou cognitives d'ampleur variable. Ça peut être pour des enfants ou pour des adultes. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'outils qui sont spécifiques à une étiologie, à un syndrome. Hein, comme on le verra peut-être rapidement dans le syndrome d'Angelman, les personnes vont utiliser différents outils. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas dire c'est tel outil qu'il faut pour cette personne avec le syndrome d'Angelman. Pourquoi on ne peut pas dire ça ? Parce que ça dépend aussi de l'environnement, le choix de l'outil. Et donc, il faut que l'outil soit adapté à la personne, mais aussi aux gens qui vont interagir avec elle. La CA, c'est d'abord, avant d'être des outils, c'est une adaptation de l'interlocuteur et de l'environnement. Donc, il faut bien avoir en tête qu'en recherche actuelle, maintenant, on ne voit plus la communication comme étant dans un individu, mais la communication, c'est une activité conjointe. Hein, elle n'est pas dans la personne, mais elle est dans l'interaction entre une personne et en plusieurs interlocuteurs. Donc, ça, c'est des choses qu'on connaît bien maintenant en recherche fondamentale. La communication humaine, hein, elle ne se fait pas toute seule. C'est effectivement une personne qui va émettre un signal intentionnel ou non intentionnel sur différentes modalités. Et puis, ces signaux, ils vont être perçus et interprétés par une autre personne qui va faire un retour. Et c'est important qu'on ait cette boucle-là, parce que si on n'a pas cette boucle-là, on n'a pas de communication. Donc, si la personne-là, elle sait utiliser des outils de pictogramme ou elle sait faire plein de choses, mais que l'autre en face, elle n'est pas réceptive, ben, en fait, il ne va rien se passer. La communication pré-intentionnelle, du coup, qu'on va trouver chez certaines personnes avec des déficiences profondes, notamment, et qu'on retrouve chez les bébés neurotypiques, c'est quand, en fait, le bébé ou la personne, elle envoie des signaux dans son environnement qui ne sont pas forcément dirigés. Et donc, ces signaux, en général, ils sont non intentionnels, non symboliques et non langagés. Ce sont des manifestations biologiques. On appelle aussi ça de la communication informative. Et ça, il faut savoir que pour certains auteurs, c'est de la communication. Et pour d'autres, ça n'en est pas parce que ce n'est pas intentionnel. Et en fait, ce qui est important, c'est, si je prends cet exemple de la communication pré-intentionnelle, c'est parce que là, en fait, s'il n'y a pas d'environnement pour répondre aux signaux, pour capter les signaux, donc on capte les signaux de la personne par différentes modalités, et puis on lui envoie un retour par d'autres modalités, et si le bébé, il émet ses signaux et qu'il n'y a personne qui les capte et qui lui répond de manière cohérente, ben, le bébé va faire quoi ? Il va arrêter d'émettre les signaux, il ne va plus les émettre. Donc ça, c'est le cas des bébés prématurés que les parents ne vont pas voir, ça a été le cas de manière plus dramatique des enfants dans les orphelinats de Ceausescu, etc. Donc, le fondement de la communication chez l'animal social, c'est Darwin qui disait déjà ça, hein, c'est ces boucles ici. C'est un individu qui émet des manifestations sur son état interne, un autre individu qui est capable de les percevoir et de lui répondre de manière cohérente. Et s'il n'y a pas ça, et ben, il ne se passe rien. Et ce qui va se passer avec les enfants qui ont des problèmes du neurodéveloppement sévère, c'est que ces enfants tout petits, ils vont émettre des signaux
que l'aidant va parfois avoir du mal à identifier comme étant des signaux et va avoir du mal à savoir comment y répondre, parce que ce n'est pas des signaux biologiques habituels. L'aidant, il n'est pas programmé socialement et biologiquement pour interpréter ce type de signaux, et c'est pour ça qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin qu'on l'aide, que de professionnels, etc., d'abord, d'avoir besoin d'une aide pour mettre en place des outils, etc. Il a besoin d'aide pour identifier les signaux envoyés par la personne et pour y répondre de manière cohérente. Donc, c'est valable pour les bébés, mais c'est valable aussi pour les personnes plus grandes. La communication pré-intentionnelle, elle va aussi exister chez des personnes plus âgées où l'environnement n'a pas su bien répondre aux signaux. Donc, en général, chez les personnes avec le syndrome d'Angelman, en tout cas, hein, chez celles qu'on voit nous, elles sont toutes dans des modes de communication intentionnelle. Elles ont passé la communication pré-intentionnelle parce que les parents, quand même, en général, ils sont à peu près débrouillés pour répondre aux signaux. Moi, je dis ça, quand ma fille était bébé, je suis débarquée au CMPP à 6 mois en disant « je ne comprends rien à ce bébé ». Je ne comprenais pas du tout qu'est-ce qui se passait avec ce bébé. Je n'arrivais pas à interpréter les signaux qu'elle m'envoyait. Voilà, et du coup, petit à petit, après, ben, quand on a eu le diagnostic, on a compris pourquoi et on a su mieux s'adapter, mais ce n'était pas du tout évident à la base. Et le risque de ça, c'est que les dents se détournent du bébé ou de l'individu et que du coup, ben, l'enfant arrête d'émettre ou émet des choses de plus en plus bizarres et de moins en moins compréhensibles. Donc la CA, c'est bien d'abord l'adaptation de l'interlocuteur et de l'environnement. Ensuite, ça va être différents usages et différents outils. Donc dans le syndrome d'Angelman, on va avoir un usage permanent, un usage qui va quand même être essentiellement une alternative, un remplacement à la parole, même si certaines personnes produisent quand même un peu des signaux de parole. Et puis elle peut être avec support ou sans support. Donc dans la CA sans support, ici, ben, je reprends la communication non verbale, hein, c'est le corps et ses mouvements. Elle peut être avec support low-tech, donc on va avoir des supports ponctuels spécifiques, différents types d'objets, d'outils qu'on va utiliser de manière très contextuelle et très spécifique à une situation. Et puis, il y a des outils de communication robuste. Alors, la communication, la CA robuste, dont on entend beaucoup parler maintenant, hein, c'est des outils qui vont inclure un vocabulaire riche, qui vont permettre d'exprimer toutes les fonctions communicatives et qui vont inclure de la morphosyntaxe. Alors, j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne suis pas sûre qu'il faille de la morphosyntaxe de la langue écrite, de la grammaire de la langue écrite dans un outil pour qu'il soit un outil de CA robuste. Il y a ensuite des supports de CA high-tech. Alors, ce n'est pas parce qu'on utilise une tablette avec la synthèse vocale qu'on est dans de la CA robuste. Hein. Sur les supports high-tech, il peut aussi y avoir des supports qui permettent pas d'exprimer l'intégralité des fonctions communicatives et qui proposent pas un vocabulaire riche, etc. Parmi les outils actuellement disponibles, il y en a pas un qui est mieux qu'un autre pour le syndrome d'Angelman. Il y a différents types d'outils et en fait, ça dépend de ce que les parents arrivent à utiliser. J'ai envie de dire, à la limite, l'outil mieux, c'est celui que les parents et que les aidants arrivent à utiliser avec la personne pour lui apprendre à l'utiliser. Il y a des outils qui ont l'air compliqués à première vue, c'est notamment le cas de Speak for Yourself ou de Lamb, qui sont ce qu'on appelle des outils de programmation motrice, où en fait on va avoir énormément de pictogrammes sur une page. Alors ils ne sont pas traduits en français, alors Lamb peut-être, mais je n'ai pas revérifié dernièrement. Speak for Yourself, c'est sûr que non, parce qu'il est vraiment conçu pour l'anglais. Donc, c'est des outils qu'on appelle avec programmation motrice, où du coup, en fait, il y a beaucoup d'icônes sur une page. Et puis, on va avoir par contre que 2 niveaux. Donc, on va cliquer sur une icône et on va accéder à une autre page où il va y avoir aussi beaucoup d'icônes. Par contre, on n'ira pas sur des niveaux plus loin et un mot, il est représenté qu'à un seul endroit. Et donc, ça, les personnes avec le syndrome d'Angelman peuvent apprendre à l'utiliser, même s'il a 128 icônes par page. Donc, ça, c'est Jessie, c'est une jeune fille qui ne pointait pas. À 19 ans, elle ne pointait pas. Et tous les pros avaient dit que ce n'était pas la peine d'utiliser un outil comme ça parce qu'elle n'y arriverait pas. Et en fait, c'est via l'usage de l'outil qu'elle a appris à pointer et à se servir de l'outil. Donc, c'est aussi parce que les parents, ils avaient décidé que c'était cet outil-là qui était bien et qu'ils l'ont utilisé avec elle. Mais elle n'était pas arrivée à utiliser des outils qui fonctionnaient autrement parce qu'en fait, les personnes, elles ont du mal à naviguer entre les différents niveaux. Bon, c'est des choses dont on pourra discuter après. Voilà, donc souvent, oulala, il y a trop d'icônes dès qu'on passe 12 icônes par page, mais en fait, c'est un a priori.
Donc, la CA high-tech, à l'heure actuelle, ben, sur les supports high-tech, il y a des questions qui se posent, pas qu'en termes de robustesse, mais aussi en termes d'ergonomie, en termes d'éthique, sur la protection des données, sur aussi la possibilité ou non de récupérer les données dans un format lisible par un autre logiciel, etc. Et ça, c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir à la longue des chartes de qualité sur ces outils-là. Donc ça, ça c'était juste pour rappeler qu'on avait vu tout à l'heure l'usage de la CA dans le syndrome d'Angelman. Donc c'était juste pour dire qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas vous dire il faut mieux utiliser cet outil-là que celui-là avec votre enfant qui a le syndrome d'Angelman. L'outil qu'il faut utiliser, c'est celui que vous arriverez à utiliser, avec la personne au quotidien, parce que pour apprendre, ça s'apprend par l'usage. Il faut ce qu'on appelle de la modélisation. Et la modélisation, en fait, le modèle, c'est comme ça que le langage s'apprend. Une fois, j'ai une étudiante, elle me dit « Ah, mais votre méthode, là, pour apprendre, ce n'est pas ma méthode pour apprendre, hein. L'apprentissage par l'usage, c'est comme ça que les enfants humains apprennent le langage. » Il faut savoir qu'un enfant humain, il entend entre 62 000 et 215 000 mots par semaine, ce qui représente sur 12 heures d'éveil par jour entre 800 et 2500 mots, selon son milieu social. Donc, nous, nos enfants, je ne sais pas combien ils entendent de mots selon l'environnement dans lequel ils sont. C'est un problème, s'il y a autant de problèmes autour de l'institutionnalisation maintenant, c'est parce que l'institutionnalisation, elle va contribuer à mettre des enfants qui ont des difficultés ensemble et qui, du coup, ne vont pas s'auto-stimuler. On va perdre la stimulation par les pairs qui était si chère à Vygotsky. Et du coup, ben, ça pose un problème, hein, parce que pour apprendre, il faut avoir un modèle et il faut avoir beaucoup de stimulation. Donc, je vais terminer sur la modélisation. Je ne pense pas que j'aurai le temps de passer sur d'autres choses sur la CAA, mais juste pour dire, il y a trois types de modélisation qui ont été répertoriés dans un article récent. Donc, il y a la modélisation où on va utiliser l'outil comme un support quand on parle. Donc, on va discuter en utilisant l'outil. Donc, cette approche-là, elle n'attend pas de réponse de l'enfant. Elle a surtout été utilisée par les proches et par les pairs. Donc, ça reste la plus fréquente et c'est la plus naturelle, notamment parce qu'elle va positionner l'outil de CA comme un outil de communication et elle va poser la personne comme une personne communicante. Les autres approches, c'est des approches qui sont un peu plus verticales et pédagogues. Donc, il y en a une qui consiste à utiliser l'outil de CA pour susciter la réponse en utilisant des invites. Donc, cette approche, elle va être plus utilisée par les enseignants. Hein. On attend une réponse de la personne. C'est plus dans une dimension verticale. Et puis, il y a en mode démonstration, qui est l'approche la moins utilisée, où on va montrer le vocabulaire et les formes de manière pédagogique. Donc, dans cet article, les auteurs ils disent qu'en termes de pratique, ils soulignent l'importance de la formation des partenaires par les orthophonistes, donc former les partenaires de communication à la modélisation. Et ils insistent sur la nécessité d'intervenir dans des contextes naturels et de donner des retours directs aux partenaires sur la manière dont ils modélisent. Alors, si vous avez des gens qui vous aident à modéliser, qui vous ont appris à modéliser, hein, je suis preneuse. Parce que ce n'est pas trop des approches qui sont très développées pour l'instant en France. Et du coup, il faut former la famille, il faut former les pères, et il faut aussi former les professionnels au quotidien. Et pourquoi j'ai mis les pères en rouge? Parce qu'on se rend compte qu'avec les enfants, si c'est leur père, donc les enfants du même âge ou un peu plus âgés qui utilisent l'outil, ben c'est beaucoup plus efficace que si c'est les adultes. Donc, si la CA, elle est encore mal utilisée aujourd'hui, c'est lié à différents mythes. Si vous avez envie que je vous les exposerai ensuite. Et c'est aussi lié à différents problèmes qui sont des problèmes de différents ordres qui ont été beaucoup étudiés par des chercheurs australiens, par Moorcroft, qui a une série d'articles là-dessus sur pourquoi est-ce que les parents, ils arrêtent. Il y a 60% des parents qui arrêtent l'usage des outils de CA robuste, on va dire, la première année. Donc, pas forcément que les outils robustes, d'ailleurs. Donc, soit le parent arrive avec un outil, soit le professionnel propose un outil, et en fait, la première année, ils arrêtent. Alors, pourquoi? Donc, en analysant les questionnaires de 12 mamans qui avaient arrêté, ils ont mis en évidence que ben, il y a des barrières psychologiques dans les familles. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que si l'outil est introduit trop tôt ou pas au bon moment dans la famille, si la famille elle est en train de faire le deuil de l'enfant normal, etc. Ben, du coup, l'outil ne va pas avoir sa place et ça ne va pas bien se passer, c'est juste, ce n'est pas le moment.
Il y a aussi souvent des familles qui disent ben, il n'a pas besoin d'un outil parce qu'il sait bien se faire comprendre. Donc ça, c'est des choses, c'est vrai, qui reviennent souvent et puis qu'on a l'impression qu'on a tendance à fustiger, mais qui finalement sont, je trouve, assez naturelles. Hein. Nous aussi, des fois, on a l'impression que Jolène sait très bien se faire comprendre, même si on voit bien que bon, des fois, elle aimerait bien faire comprendre autre chose. Ensuite, il y a un facteur qui est lié aux outils. Donc, même si on a, des fois, on n'a pas le droit de critiquer les outils, mais il faut y aller quand même parce que c'est des outils actuellement disponibles. C'est des outils qui ont été conçus sur le terrain, qui n'ont pas été évalués. Il y a plein de potentiel pour les améliorer, mais bon, c'est sûr qu'ils ont l'avantage d'exister. Hein. Souvent, les parents disent que les outils sont trop lents, qu'ils sont trop compliqués, qu'ils ne sont pas adaptés. Et puis souvent, ce qui se passe aussi, c'est que en fait, les parents, eux, ils ont en tête quelque chose. Donc, ils ont un projet et ils ont envie d'utiliser quelque chose. Puis, ils se retrouvent face à un professionnel qui va leur imposer plus ou moins un autre outil parce qu'il a décidé que c'était celui-là qu'il fallait et que parce que souvent, même pas ça, souvent juste parce que c'est celui-là qu'il connaît. Et du coup, ben, ça ne va pas bien marcher si on ne prend pas en compte l'avis des parents. Et donc, les facteurs externes aussi qui comptent beaucoup, la réaction des professionnels, comment les professionnels soutiennent les parents. Et c'est vrai que souvent, les parents rapportent que ben, il n'y a pas assez de suivi, pas assez de soutien des professionnels, il y a un manque d'écoute, etc. Donc, c'est des articles qui détaillent bien ça et qui sont assez intéressants. Je vais arrêter là, j'avais plein de choses à dire. Est-ce que je voulais dire, Amélie, peut-être pour laisser un peu aussi… Mais j'ai fini là, en fait. Mais du coup, je suis désolée, je suis partie dans mon truc et comme je ne vois pas, c'est compliqué. J'arrête. Et j'arrête de partager aussi, comme ça, peut-être je vais vous voir. Voilà, comme ça, on revient sur les images des personnes participantes. Je te remercie beaucoup de cet exposé. Et donc, je laisse aussi que les personnes analysent un instant ce que vient d'être dit. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main et puis prendre la parole directement. Ou bien mettre les questions dans le chat. Pour l'instant, j'ai une question qui a été posée et qui est comment on peut participer au projet de recherche Participe à Action. Donc, voilà, si tu veux le réexpliquer un instant. Et ouais. Comment contacter l'équipe et comment et quel type de participation vous souhaitez. Alors, comme je disais, moi, je vais partir en congé mat dans pas très longtemps. Le projet, il va y avoir un moment où il va être un peu en flottement. Mais par contre, Isabelle est là jusque fin mai. Donc, si vous êtes disponible et que vous avez envie de participer, vous pouvez participer soit en répondant au questionnaire. Donc, le questionnaire, ça se fait par un entretien avec Isabelle, qui est là, qui est présente ce soir. Et du coup, Isabelle, elle est orthophoniste. Elle fait passer le profil pragmatique en entretien. Et puis ensuite, si vous avez envie, ben vous pouvez participer aux enregistrements vidéo. On a fait un premier corpus là qu'on va analyser, qu'il faudra compléter. Donc concrètement, il y a un site web qui est interaction.participation.fr, mais là, vous pouvez aussi juste nous envoyer dans le chat, soit à moi, soit à Isabelle, votre contact. Et via l'AFSA, si vous avez, on transmet, hein, il n'y a pas de souci. Et donc pour briser la glace, j'ai effectivement, comment dirais-je, c'est pas des questions, mais c'est un peu plus des réflexions. Effectivement, la chose qui trouble peut-être un petit peu, c'est que très souvent ou trop souvent, on entend cet enfant, cet adulte, cette personne ne parle pas, et donc ça veut dire qu'elle ne pense pas. Donc, en fait, je ne le pense pas du tout, hein, bien sûr, mais c'est que, en fait, c'est un peu ça, c'est un parti pris ou des raccourcis qui se font trop vite, très vite, et qui, en fait, portent préjudice, en fait, à la personne sans parole, qui n'est pas une personne sans idée ni sans intelligence. Tu veux peut-être réagir, rebondir un peu là-dessus. C'est tellement classique, en fait. C'est pour ça aussi qu'à chaque fois, on en reparle, voilà, qu'il faut faire attention. Hein. Ce n'est pas parce que la personne, elle ne parle pas, qu'elle n'a pas le langage. Et c'est pour ça aussi que les chercheurs américains en reparlent à chaque fois aussi dans leurs articles dans le cadre de la déficience intellectuelle.
c'est qu'on fait une confusion dans le bon sens commun, hein, on fait une confusion entre les capacités de parole, les capacités langagières et la cognition. C'est quelque chose qui est très difficile. En fait, c'est très, très, très difficile de faire comprendre certaines choses sur le langage et la parole. Et on est bloqué aussi par ça dans la mise en place de l'ACA, la prise en charge des personnes avec des déficiences sévères, parce que tout le monde a plus ou moins l'impression de bien savoir ce que c'est que le langage, la parole et la communication, parce que c'est des mots qu'on utilise tout le temps, parce qu'on parle tous, parce qu'on sait tous ce que c'est la communication. Les médecins savent tous ce que c'est, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Ils n'ont pas besoin d'avoir des gens qui travaillent sur la communication d'ailleurs, hein, voilà, ils sont prêts, enfin, voilà, parce que ça paraît évident et que du coup on est sur ces conceptions-là. Donc le seul moyen de s'en tirer, c'est d'expliquer aux gens et d'essayer de leur faire comprendre. Après, je ne sais pas si là, les gens qui sont là autour ce soir, qu'est-ce que vous pensez de comment pensent vos enfants, qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils peuvent s'exprimer à la hauteur de ce qu'ils pensent, etc. quoi. N'hésitez pas à intervenir, hein. Est-ce qu'on donne, en fait, si je traduis, est-ce qu'on donne la possibilité à nos enfants, quel que soit leur âge, leurs compétences, etc., de s'exprimer ou d'essayer de s'exprimer ? Alors moi, je ne l'aurais pas posé comme ça, hein, mais c'est plus la question, est-ce que vous pensez que vos enfants, ils ont les moyens qu'on leur a donnés ? Enfin, quand tu dis « on », du coup, ce n'est pas forcément les parents, hein, mais qu'ils peuvent actuellement s'exprimer à la hauteur de ce qu'ils pourraient dire, quoi. HP nous dit non dans le chat. Si HP peut prendre, veut dire des choses et commenter son nom, c'est très bien. Moi, je veux bien en dire un mot. Je pense que ça dépend en effet de. Et quoi de... Bon. On ne vous entend pas. Vous ne m'entendez pas ? Non. Bah, parce que quand je parle sur Zoom, on ne m'entend pas, on ne m'entend que sur Teams. C'est mieux. Oui. Je disais, ça dépend de la chance qu'on a ou pas d'avoir rencontré les bonnes personnes. Enfin, voilà, moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs orthophonistes qui m'ont tout de suite mise sur la voie du pod. Enfin, voilà, et participé aussi à beaucoup de formations grâce à l'APSA qui nous explique beaucoup de choses sur le mode de communication. Je pense que tout ça, ça aide, mais non, naturellement, je pense qu'on ne donne pas accès à nos enfants, on ne leur donne pas la capacité de s'exprimer, de s'exprimer de la manière qu'ils peuvent. Et tout ça est très compliqué, il n'y a pas une sorte de recette magique, il y a plein d'alternatives vers laquelle il faut se tourner, on a besoin d'être aiguillé, quoi, donc... C'est un peu une marche seule, un grand désert. Et puis, on a la chance. Enfin, moi, j'ai eu cette chance de rencontrer des gens qui m'ont proposé des alternatives que je saisis aujourd'hui. On verra si ça marche dans la durée ou pas. Mais intuitivement, on ne sait pas non, comment faire. C'est compliqué, quoi. Enfin, même quand on voit votre présentation, là, moi, il y a ma maman qui est avec moi aussi pour essayer de comprendre. C'est super technique, quoi, pour... Ou comme on est mortel, sinon, communiquer avec nos enfants, on a l'impression. Non, mais c'est vrai. Mmh. C'est ce qui m'apparaît, moi. C'est vrai que c'est hyper technique. En fait, la communication, c'est vraiment problématique parce que, encore une fois, voilà, on a l'impression que c'est quand ça se passe bien, que c'est tellement naturel, tout se met tellement en place facilement. Et puis, quand ça commence à mal se passer, c'est là qu'on se rend compte que, en fait, la communication, c'est quelque chose d'hyper compliqué et qui repose, en fait, sur des prédispositions biologiques, que quand on n'a pas, ben, il faut tout revoir et tout revoir autrement, quoi. Florence a levé la main. Donc, si vous voulez prendre la parole. Merci, je vous remercie pour toutes les explications. C'était formidable, comme d'habitude, Amélie. Merci. Mais nous, personnellement, notre fils a 23 ans, il communique avec un pod seulement depuis 5 ans. Et ça a été une révélation parce que, comme beaucoup de parents ont pensé suffisamment le comprendre avec sa façon de s'exprimer, mais l'usage... d'un pod a été un échange qu'on n'avait pas forcément ensemble. On a touché du doigt
une autre dimension de, des souhaits, de son mode de pensée, de ses envies au quotidien et dans des domaines très diversifiés. Est-ce que en utilisant le pod, vous êtes rendu, ça vous a changé vous, vos comportements à vous de communication avec lui ? Tout à fait. Tout à fait. On est passé sur des on voulait lui exprimer des choses, on veut lui exprimer des choses beaucoup plus complexes, même des conversations, quand avant ça restait un peu du dans l'ordre du t'as envie de quoi, et il montrait quelque chose du doigt, on en restait au tac, tandis que ça a mis un échange entre nous. Du même ordre que celui qu'on a avec nos autres enfants. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent intervenir, parce que ouais, je ne vois pas les noms, du coup, Lara, je te laisse. Allez-y, allez-y, parce que moi aussi, je ne vois pas tout. Je n'ai pas Nicolas, Françoise et... moi, donc, mon fils, il a 23 ans. Donc, j'avais fait le stage Macathon quand il avait 7-8 ans parce qu'il communiquait déjà beaucoup avec les signes. Donc, c'est le Macathon Nicolas, hein. C'est pas tout à fait les signes du Macathon, mais il communique déjà avec beaucoup de signes. Après, moi, je suis persuadée qu'il pense comme nous, voilà. Il comprend beaucoup de choses, il enregistre bien les choses. Comme on dit, il faut même souvent qu'on parle en sourdine parce que dès qu'il a entendu, c'est bon, ben, comme il ne gère pas le temps, c'est tout de suite, mais il comprend très bien les choses, hein, il écoute aux portes, comme on dit. Donc, alors on a fait aussi le pod. Le pod, on a vraiment eu des difficultés déjà avec l'IM Pro. Maintenant, il est dans FM, donc c'est trop gros, trop important. Donc, on a fabriqué un mini-pod. Donc, on a fabriqué un mini-pod avec lequel il communique plus facilement. Après, c'est vrai qu'il ne peut pas dire je veux manger une pomme verte. Hein, je dis, voilà, ce n'est pas précis comme communication, mais grâce à son mini-pod, plus sa plaquette qu'il a autour du cou, il a 120 signes. Voilà, il a une plaquette, un mini-pod. Après, il y a le logiciel, ça a été très difficile. Avaz, c'est ça ? Avaz, peut-être. Très difficile parce qu'il n'arrive pas à passer d'une. Voilà, on n'arrive pas à faire des phrases. Pour ça, c'est presque oublié, quoi. On a vraiment des difficultés. Alors, il joue avec quelquefois, mais il ne va pas arriver à communiquer avec. Donc, mais moi, je suis persuadée que son cerveau est très. Voilà, il fonctionne comme le nôtre, voilà, sauf qu'il n'y a pas la parole. Mais il sait très bien voilà, se débrouiller avec toutes les personnes, au bout d'un certain temps, bien sûr. Hein, là, il est dans FM, donc ils nous ont demandé de leur donner tout un tas de pictogrammes. Ils communiquent bien, enfin voilà, ils s'en servent beaucoup, donc c'est déjà bien. Mais le pote, c'est vraiment trop compliqué. Même moi, je comprends pas comment on peut aller d'une page à l'autre. Pour moi, c'est trop compliqué. Quoi. D'accord. Voilà. Merci, Françoise. Voilà. Je pense que l'intérêt du pod par rapport à d'autres outils, c'est que il a été conçu. Alors il y a Mathilde qui est là, donc je parle sous haute surveillance. Il a été conçu aussi pour éduquer l'interlocuteur en fait. Et ça, c'est ce qui ressort beaucoup avec le pod. Enfin, moi, quand j'amène le pod dans les IME, etc., les gens souvent, enfin, il y a des éduques qui me disent, mais c'est pas possible. Nous, on dit rien aux enfants en fait. Ils se rendent compte en prenant le pod en fait que y a plein de vocabulaire que du coup ils n'utilisent pas avec les enfants, de choses qu'ils font pas quoi. Donc le pod, ça peut être aussi un moyen de se rendre compte de ça, quitte à pas forcément utiliser le pod derrière parce que c'est vrai que c'est une organisation particulière et qui va pas convenir à tout le monde. Mais voilà, de plus en plus actuellement quand même dans les articles sur l'usage de l'ACA et les limites, les difficultés que rencontrent les familles, etc., ils disent de choisir l'outil que la famille va arriver aussi à utiliser, à intégrer au quotidien, quoi. Donc
Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à utiliser le pod, il y a des gens qui utilisent Proloco, il y a des gens qui utilisent d'autres systèmes, etc. Ce qui est important aussi, c'est de positionner l'enfant comme une personne qui communique. Et c'est sûr que vous, clairement, quand vous parlez de votre fils, on voit bien que vous le considérez comme une personne qui a des choses à dire et qui communique, quoi. Oui, si je peux effectivement aller dans ton sens, c'est effectivement la posture que les proches aidants doivent avoir, c'est effectivement considérer la personne avec le syndrome d'Angelman comme un partenaire de communication capable de faire et de dire, voilà. Et puis, peut-être que l'outil, bien sûr, comme tu dis, il faut choisir l'outil qui correspond mieux à son environnement écologique, mais voilà, on peut se tromper, on peut en essayer plusieurs, comme c'est souvent le cas dans nos familles. L'important est de faire quelque chose et de ne pas rester dans l'inaction, parce que là, c'est dangereux, effectivement. Et dangereux et dommage. Ben, c'est ouais, après faut, c'est dangereux, c'est, on fait, enfin faut pas non plus culpabiliser, on fait ce qu'on peut, hein, et puis c'est pas évident. C'est vrai que ce que disait la dame tout à l'heure, le fait d'avoir été bien entouré et d'être soutenu par l'environnement, ça change tout. Souvent les mamans, parce que c'est souvent les mamans, là dans l'article de Moorcroft, c'est quand même 12 mamans, les mamans elles disent ben ouais, mais moi j'étais toute seule à l'utiliser, et en plus on se heurte à l'environnement qui passe le temps, enfin moi quand je trimballe, quand j'ai sorti le pod à l'école, j'ai régulièrement à la crèche ou dans la famille, c'est oulala, non, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Et du coup, c'est bah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis les gens, du coup, l'utilisent pas, on est tout seul, quoi. On est tout seul à utiliser l'outil avec la personne et c'est dur, quoi. Alors, je sais pas si parmi les gens présents ici ce soir, il y a des gens qui utilisent un outil de CA type pod ou autre, et que les instituts derrière ont repris, que les établissements ont repris, que vous avez vos conjoints qui l'utilisent ou la famille. Voilà, quoi. On est seul, quoi. C'est dur. Coucou, il y a le beau papa qui est là. Nicolas, quand il avait 15 ans, à l'IMPRO, il avait fait une plaquette autour du cou. Alors, on lui avait mis un gros WC, j'ai faim, on lui a mis un plat, 5 pictos, j'ai soif et un verre. Et donc, il avait ouais, 14-15 ans. Donc, quand ils ont lancé ça, moi, j'ai dit, oh là, alors moi, je vais quand même améliorer la plaquette avec les 5, il n'y en avait que 3 hein, significations. Donc, j'ai augmenté progressivement. Donc, j'en ai mis 20, 30, 60. Et franchement, il les connaît, enfin voilà, il les connaît bien. Et quand on va au restaurant, ben avec son mini-pod, et ben par exemple, on sait, ben il peut nous dire ce qu'il veut manger. C'est vrai que ben, nous, mais le mini-pod, on l'a bien, enfin voilà, on l'a tout réimprimé, on a fait. Bon, là, il n'est pas là, je peux le montrer, mais on a fait combien de pages, je ne sais pas, il y a 30 pages, mais c'est prêt à. Alors, il y a je ne veux pas, mais tout ça, mais il va faire non, quoi, parce qu'il s'exprime beaucoup par signe. Donc. C'est vrai qu'il y a ces signes aussi, mais ben, on l'a bien diminué. Après, par contre, il peut pris son gros pod, il peut le prendre aussi à la maison, parce qu'au fin, il ne l'a plus, donc ils l'ont mis de côté, donc pas peine de le laisser là-bas. Mais voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des difficultés aussi avec le gros pod. Là, c'est, on a fait la formation avec Mathilde et tout, mais c'était compliqué, quoi. Bah, l'acceptabilité des outils à l'extérieur, en ce moment, elle est quand même très faible. Moi, l'instit de Jolène, elle passe son temps à vouloir découper les tableaux de communication, par exemple, parce qu'elle veut lui apprendre les pictos un par un. Ouais, bah... Et que ça, c'est un truc qui est assez systématique, quoi. Donc, et je lui dis, il ne faut pas, mais en fait, elle me dit, je sais bien. mais c'est compliqué parce que voilà, ils ont toujours appris comme ça, qu'il fallait d'abord apprendre les unités indépendantes pour ensuite les combiner ensemble. Donc, voilà, ils n'arrivent pas à sortir de ça, les pros, c'est dur. Ouais. Et puis les pros, quand ils commencent à mettre en place le pod à l'IME, ben, ils se heurtent. Il y en a qui sont hyper motivés, hein, qui mettent en place le truc et puis qui vont se heurter à plein d'autres pros. Donc, on est dans un contexte qui n'est pas facile, quoi. Ça va changer, mais ce n'est pas facile, quoi. Ouais. Bon, enfin, c'est bien tous ces outils, quand même. C'est génial, quoi. Ça leur permet de bien de communiquer, voilà. Ouais. Pardon. Oui, allez-y. Non, pardon. Vas-y, Constantin qui voulait parler. Oui, allez-y. C'est
Ben moi, donc Anaïs qui est à côté de moi, qui regarde bien, c'est rigolo, comme quoi elle est attentive aussi. Elle est en IME jardin d'enfants spécialisé. Et le POD, effectivement, nous, ils ont formé, bon, mais grâce d'ailleurs à Mathilde, qui est une amie de la maman de Louis, enfin bon, ils ont formé beaucoup de professionnels. L'orthophoniste est à fond, et, enfin, est à fond dans le sens où moi, je lui demande un tableau de langage assisté, des choses spécifiques. Anaïs a eu besoin de soins dentaires. Je lui ai dit dès le jour même, j'avais ce qu'il faut dans le cahier. Là, au jour d'aujourd'hui, on a un investissement des professionnels qui fonctionne très bien. Anaïs parle POD au centre. Après, effectivement, c'est ce qui m'inquiète sur le centre prochain. Je ne sais pas, on n'a pas. C'est vrai qu'il faudrait que je leur pose la question, mais. Voilà. Après, bon, déjà, dans ce centre-là, il y a quelques années, il n'y avait personne de formé. Ils ont formé beaucoup de professionnels, enfin, de plus en plus. Chaque année, ils en forment. Donc, c'est déjà bien. L'idée, voilà, c'est nous, Anaïs, elle se balade aussi avec son POD. Après, effectivement, c'était juste pour rebondir sur le fait que moi, je me suis formée d'abord. Ensuite, ben, le papa, 2-3 ans plus tard, a eu plus de mal, mais a fini par se former. Après, il a une relation très particulière avec Anaïs. Enfin, c'est Anaïs qui est très collée à son papa et qui ne lui laisse pas trop la possibilité mais de l'aider au quotidien, donc communiquer non plus. Mais quand même, la première fois qu'il a fait la formation, qu'il est revenu à la maison et qu'il lui a dit ne serait-ce qu'un truc tout bête en pictogramme, je t'aime, elle l'a regardé, était très contente. Donc, après, oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. On se sent peut-être un peu seul, mais moi, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait peut-être bien 2 ans au moins qu'on l'utilise, voire 3. Oui, je pense 3. Après, au début, il était pas dans un bon format, mais on a été obligé de commencer comme ça parce qu'Anaïs ne pointait pas, il fallait que les pictos soient gros. Là, le format est quand même mieux parce que l'autre, il était vraiment lourd. Je me baladais avec un classeur A4, donc du coup, je ne me baladais pas trop avec. Donc là, il est mieux. Après, Anaïs, un peu coquine, et en fait, elle ne pointe pas trop, mais moi, je trouve que c'est un bon support. Comme je dis souvent aux gens qui ne connaissent pas, parce qu'Anaïs va en centre de loisirs, va en centre de loisirs lambda. Voilà, et donc plein de gens ne connaissent pas cet outil. Et moi, je leur dis, je trouve qu'en tout cas, même si elle ne pointe pas et qu'elle ne fait pas une demande avec son POD encore au jour d'aujourd'hui, on modélise beaucoup. Quand on lui montre par le POD, par exemple, demain, tu vas aller au centre, en lui montrant le... Alors moi, l'orthophoniste a ajouté des photos, même si normalement, on met plutôt que des pictos, mais même un picto, elle est capable de comprendre. Et je trouve que quand on lui dit les choses par picto, ça a beaucoup plus de valeur, de compréhension vis-à-vis d'Anaïs. Quand on dit qu'ils comprennent tout, moi, au jour d'aujourd'hui, des fois, peut-être parce qu'elle est encore jeune, elle va avoir 11 ans. Moi, oui, je sens qu'elle comprend globalement, mais... quand je lui dis des choses par POD, je trouve qu'elle comprend mieux. En tout cas, j'ai des gestes, des choses qui me montrent qu'elle a bien compris. Alors que quand c'est que oral, ça ne suffit pas. Donc voilà, en tout cas, je pense que c'est effectivement en le montrant, j'espère déjà en quelques années, ça a bien évolué. Donc, pour rester positif et ça va faire qu'évoluer. Voilà. Merci beaucoup. Des participants vous remercient pour votre témoignage. Et merci Anaïs aussi. Denise, tu avais levé ta main. Oui, bonsoir. J'étais un peu en retard. Dommage, je n'ai pas pu tout entendre. Mais non, mais la maman qui est passée avant, elle a tout dit. Donc, je trouve que c'est super intéressant d'entendre ça, de dire à quel point les professionnels et puis bon, l'approche écologique, l'environnement, quoi. Pour moi, c'est déterminant, je trouve. Plus que l'outil, plus que tout le reste, il y a cette idée que tout le monde doit s'y mettre. Bon, ben, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, mais ça finit par venir.
C'est nos enfants qui font la preuve qu'il faut s'y mettre, parce que quand on les met dans la bonne situation, eh ben ils finissent par nous montrer des progrès énormes. Je voudrais insister aussi sur le temps long. Parfois, ça prend des années, puis un jour, on voit apparaître des choses extraordinaires. La notion d'apprentissage. Et je crois que tu disais, Amélie, que ça nous met en difficulté, nous, les mamans, quand l'environnement n'adhère pas à ce qu'on fait. Mais je dirais que c'est notre enfant qui est le plus en difficulté, le pauvre, parce que, ou la pauvre, parce que ben, si tout le monde ne s'y met pas, ils n'ont pas toujours l'occasion d'exprimer ce qui... Désolée, j'ai mon téléphone qui sonne. Ils n'ont pas toujours l'occasion d'exprimer, enfin de s'entraîner, quoi, de s'entraîner. Donc cet entraînement, il est déterminant. Et s'il y a quelque chose à faire comprendre aux professionnels, c'est ça. C'est-à-dire qu'on leur demande, ce n'est pas des lubies de notre part, mais c'est vraiment une nécessité pour notre enfant d'être dans cet environnement qui le stimule en permanence, mais qui lui donne la possibilité d'exprimer là où il en est. C'est-à-dire que oui, le poète, c'est très bien. Toute méthode peut être bien, mais il faut vraiment observer son enfant. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, quand tu parles des signaux, Amélie, ça m'a beaucoup évoqué quand Jean était petit, où je ne comprenais rien. Et après, en regardant des vidéos de quand il était petit, je me suis aperçue qu'il émettait des signaux et moi, je ne les voyais pas, je ne les entendais pas. Et ça, je trouve que ce travail d'observation, il est vraiment déterminant. Et du coup, à chaque fois, je redis la même chose, mais je le redis encore. Merci de nous avoir appris à utiliser des vidéos, à ne pas avoir peur de filmer nos enfants, parce que ben, là, on découvre aussi des pépites parfois. Nous, alors, l'usage de la vidéo, nous, on s'est rendu compte de ça aussi en se filmant quand on a commencé à travailler avec les enfants avec trisomie 21. La vidéo, c'est vraiment un outil super parce qu'effectivement, moi, quand je revois certaines vidéos de ma fille aussi, je me dis, mais en fait, là, elle fait des trucs que je n'étais pas capable de voir à l'époque et c'est terrible, hein. C'est terrible parce qu'on a beau se dire c'est objectivement, c'est là et tout, mais si on n'est pas dans notre tête, dans une perspective de voir les choses, on ne les voit pas, quoi. Et du coup, ça aide vraiment et ça aide aussi. Alors là, ce soir, on parle beaucoup du pod. Hein, l'APSA est très centrée sur le pod. Enfin, il y a eu beaucoup de formations pod, etc. Je sais pas, enfin, je pense pas que tous les parents utilisent le pod ici ce soir, loin de là. Et c'est vrai que dans le cadre du projet, là, on a eu beaucoup de gens qui utilisent des outils de communication de ce type-là. Et on a eu moins de gens qui n'utilisent pas ce type d'outils. Et c'est vrai que c'est un peu dommage aussi parce que bon, toute la présentation que j'ai faite là aussi, il y avait une grosse partie sur la communication non verbale. Alors, c'est sûr qu'utiliser des outils robustes, c'est super, voilà. Mais toute la communication, le travail qui se fait sur la communication non verbale par certains parents, notamment dans le cadre de la communication intensive, etc., c'est des choses qui sont aussi très importantes d'observer, quoi, parce que on sait aussi que les gens, ils vont, que les personnes, c'est ce qu'ils disent dans des articles, hein, quand elles se retrouvent dans des situations, dans des situations où elles ont le choix, où elles peuvent s'exprimer autrement que par l'usage de l'outil avec support, elles vont le faire avec les gestes, elles vont le faire avec les expressions, etc., quoi. Et du coup, toute cette communication-là, elle est aussi importante et il y a du symbolisme aussi dans ces communications non-verbales. C'est pas que dans l'usage des outils avec Picto, etc. Et du coup, c'est sûr qu'on a des parents qui n'ont pas participé au projet à cause de ça et qu'il y a toute une population qui ne participe pas, qui des fois parce que du coup, il y a aussi ce complexe de ne pas utiliser des outils de communication type pod ou des tablettes type Proloco, voilà, tout ça, quoi. Et ça, ces parents-là, on ne les entend pas beaucoup, en général. On se donne encore 5 minutes. Et ouais. Puis, voilà, s'il y a encore des questions. Et je suis... Denise, tu as relevé ta main ou c'est une ancienne main? Non, j'ai relevé parce que je voulais rebondir sur la main. C'est très bien, oui, voilà. Vas-y. Le pod avec Jean Titi. Je pense qu'à chaque fois, c'est un gros complexe. Je ne m'y suis jamais mise, j'aurais pu. Je me suis inscrite, puis je me suis désinscrite. Voilà, et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit, quel que soit l'outil qu'on utilise, il faut vraiment se décomplexer là-dessus. Je reconnais que le pod, ben, j'aimerais bien l'utiliser parce que je comprends bien que ça serait pour Jean en plus. Sauf que ben, dans l'établissement, je suis pratiquement sûre qu'ils ne vont jamais s'en emparer. Et je préfère utiliser des petits outils que l'établissement, pour lesquels l'établissement adhère,
plutôt que d'utiliser un outil dont je vais me servir toute seule et puis je n'arriverai pas à le développer ailleurs. Mais c'est juste une résignation, hein. Ce n'est pas un choix positif, mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est une manière d'agir qui me permet de... Et puis pour Jean, je trouve que c'est aussi mieux parce que bon, ben voilà, il n'a pas différents outils. Quand il change d'environnement, il a les mêmes outils. Moi, je suis très embêtée par le fait que ma fille, elle puisse pas, enfin voilà, qu'elle se retrouve dans des situations effectivement où, enfin, qui sont pas prêtes à suivre ce qu'elle utilise, etc. Après, dans les nouvelles préconisations, alors pour les changements d'établissement, etc. Normalement, dans les nouvelles préconisations, il y a un devoir des établissements de respecter les outils de la personne et de les poursuivre. Alors, on n'y est pas encore, hein. Je pense que ça va prendre du temps, hein, parce que quand je vois comment ça se passe dans les IME où on va, voilà. Mais ça pose la question de la formation. Ça évolue. Oui. Ça pose la question de la formation des professionnels. Oui, et aussi, en fait, c'est un état d'esprit aussi qui, mais ça commence à sortir et donc le comité interministériel du handicap a sorti effectivement en 2021, en été 2021, dans leur, résumé dans leur rapport d'activité, disons comme ça, le fait qu'une personne, un outil de communication, n'importe quel syndrome ou pathologie, n'importe quel âge, n'importe quel environnement cette personne habite. Donc voilà, c'est une idée qui commence à faire son chemin, même si dans la pratique quotidienne, on est encore loin. Mais c'est bien aussi que nos décisionnaires commencent à mettre l'accent sur ça, parce que c'est aussi important que le message vienne d'en haut. Donc si on le dit nous les parents, si ça vient aussi d'en haut, on laisse effectivement faire l'idée faire son chemin. Et c'est vrai qu'on ne peut pas arriver et tout détruire comme ça immédiatement. Il faut que les professionnels s'y mettent petit à petit, qu'ils ne soient pas braqués, Ouais, mais c'est une question d'accessibilité, hein. Je trouve qu'il faudrait employer ce terme dorénavant. De même que on a droit à l'accessibilité, quel que soit le handicap, c'est une question d'accessibilité à l'outil de com. Et ça, c'est vraiment un truc politique. Il faudrait que les associations portent, il faudrait qu'on porte aussi, parce que c'est vrai que c'est un droit. Hein. Mais l'AFSA le porte. L'AFSA le porte, voilà. Voilà. Bon, j'arrête de parler. Monsieur, dame, je peut-être vous invite à terminer ici. Voilà. Donc, je vous dis quand même un mot de la fin pour nous quitter. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce premier webinaire. Je remercie Amélie pour son intervention et ses échanges riches et intéressants. Merci à vous tous de votre participation. Vous pourrez visionner ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube de l'AFSA. Vous serez informé de sa publication via la page Facebook de l'AFSA. Je vous rappelle aussi que le prochain webinaire aura lieu le 10 mai à 18h sur le sujet du répit et des vacances. Et il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci à toutes et à tous de votre participation, de votre fidélité, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce webinaire. Merci Amélie, merci à tous. Et merci. À très vite. Bonsoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.